suis dans la joie. As David said that I'm glad. Quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. When he said let us go into the house of the Lord. Combien sont dans la joie ce matin? How many are happy this morning? Et ce matin par la grâce de Dieu. And by God's grace this morning. Nous voulons commencer notre enseignement sur les 70 semaines de Daniel. We'd like to start our teaching on the 70 weeks of Daniel. Un frère Frank, tu peux déjà m'écrire sur le tableau. Brother Frank, can you start writing it from your report? Les 70 semaines de Daniel. The 70 weeks of Daniel. Et si Dieu nous donne la force et le temps. And if God gives us the strength and time. Nous aurons 12 dimanches. We're going to have 12 Sundays. Commençant aujourd'hui. Starting from today. Et toute la prédication aura 24 heures. And all the preaching will be having 24 hours. Nous allons partager ça comme 24 chrono, chronométré comme ça. It's 24 hours of the clock. Et deux heures du temps. And each of the sermon will be 2 hours. Ce sont des choses trop profondes. I'm going to be giving deep teachings. Je prie que vous puissiez avoir vos cahiers, vos bics. And I pray that you should have. Ouvrez votre estomac spirituel. Your pens and papers. Votre inspiration pour recevoir ces choses les plus profondes. Be ready to have the inspiration of these deep teachings. Que Dieu nous a révélé au temps de la fin. That the Lord has given and revealed to us in this end time. Et venir toujours dans l'expectative et à temps aussi. And always come on time and on expectations. Ce sont les choses les plus profondes que nous sommes maintenant en train d'entrer dans ça. These are deep things that we're going into right now. Je prie que Dieu aussi vous donne la compréhension. And I pray that God should also give you all that understanding. Je voudrais remercier tous ceux qui ont essayé de travailler pour essayer d'arranger les petites choses qu'on avait besoin. And I'm going to be thankful and I thank all those that tried to work. Je ne l'enseigne pas simplement pour vous ici à l'église. I'm not just teaching for you here in the church. Je parle de beaucoup de gens qui s'attendent et qui sont dans l'expectative de suivre ça aussi partout dans le monde. As I'm not just speaking to you all here, but I'm speaking to a lot of people that are under expectation. Toward the teachings c'est I'm preaching. Pourquoi rapidement levons-nous. Therefore, quickly let us stand. Prions d'abord. Let us pray. Avec nos Bibles ouvertes. Let us open our Bibles. Et vous devez venir chaque fois avec vos Bibles. And you need to come each time also along with your Bible. Ouvrons psaume. Let us open the book of Psalms. Prions d'abord avec ces psaumes. Let us pray first with deep psalms. Psalm 99. Psalms 99. Psalm chapitre. J'aimerais vous voir chacun de vous avec vos Bibles. I'd like to see each one of you with your Bibles. Parce que c'est une étude. Because it is study. Nous entrons maintenant dans l'université de la parole. Now we'll be in the university of the word. Alors prions. Psalm 99. Let us pray the Psalm 99. Je lirai le premier verset, vous lirez le deuxième verset. I read the first verse, then you read the second. Jusqu'à nous prendrons le verset premier au verset 9. We're going to take the first verse up until the ninth verse. Je lirai le premier verset, vous allez lire le deuxième verset. I read the first verse, then you read the second. Quand je lis le troisième, vous lisez le quatrième. And when I read the third, you read ainsi the fourth. De suite jusqu'au verset 9. And so forth up until the ninth. Nous commençons. We shall start. L'Éternel règne, le peuple tremble. The Lord reign, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. The Lord reign, let the people tremble. He dwells between the cherubims, let the earth be moved. Qu'on célèbre ton nom, grand et redoutable, il est saint. Let them praise your great and awesome name, he is holy. Exaltez l'Éternel notre Dieu, prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Exalt the Lord our God and worship at his footstool, he is holy. Il leur parla dans la colonne de nuée, ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. He spoke to them in the cloud pillar, they kept his testimonies and the ordinance he gave them. Nous lirons les derniers versets ensemble. We shall read the last verse all of us together. Exaltez l'Éternel, notre Dieu. Prosternez-vous sur la montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Courbons notre tête pour la prière. Let us bow our head for word of prayer. Dieu notre Père céleste. God our heavenly Father. Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Mighty God, creator of heaven and earth.
Toi, l'inspirateur et l'écrivain de la Bible. You the writer and inspiration of the Bible. Toi qui avais scellé ça de cette source, Seigneur. You that sealed up with the seven seals. Et dans ces derniers jours, l'ange puissant est descendu. And in these last days, the mighty angel descended. Tu as brisé les sept sceaux, tu as révélé les contenus de la parole. Et tu avais promis que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. And you promised that you shall know the truth and the truth will set you free. Vous avez dit de sonder les Écritures. You told us to search the scriptures. Afin que nous puissions trouver la vie en elles. So that we may find life within. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin. That's why we have come here. Nous voulons commencer cette grande enseignement. For this teaching, Seigneur, pardonne nos péchés, forgive our sins, nos iniquités, nos manquements, our iniquities mes péchés, mes iniquités à moi et celui my de mes frères. Sins and my brothers as well. Seigneur, viens toi les mêmes anges Lord, you come, you the qui avaient ouvert les sept sceaux au travers du prophète, open the seven seals to viens the ouvrir ceci pour chacun de nous, come and open this for each one of us, afin que cela brise les sceaux de nos so vies. That may break the seal of Seigneur, our lives. Comme ton prophète avait prié pour le frère Neville, Lord, has the prophet prayed for à la fin du septième sceau, Père, end of the seventh seal. Il avait dit que tu puisses donner à Neville la compréhension, he said, may you give Neville the understanding, afin de nourrir le troupeau. To feed a flock. Tu as fait de moi Neville de cette église. You made of me Neville of this Seigneur, church. Donne-moi maintenant la compréhension Lord, give me not the understanding profonde de la parole. Deep of the et word. Que cela soit transmis à ton peuple. So that it may be afin given qu'il to your soit people, nourri de ta parole. Such that it may be comme l'aigle nourrit ses petits, oh Dieu. Bénis Seigneur le début de ces enseignements. Bless the beginning of this donne-nous l'expectative, la force. Give us the expectation éloigne and the chaque strength. Maladie, chaque problème. Take away all au travers de ces enseignements, Seigneur. Que ton peuple soit lavé. Let your people be soit délivré. Soit espié. Be affected, sois guéri, be healed, sois prospère be au travers de ta parole. Nous, nous voulons commencer cela avec toi parce you, que tu sais que sans toi, oh Dieu, you know, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, oh Dieu Tout-Puissant, nous nous recommandons à toi et nous levons nos mains à toi, Seigneur. Et nous prions tous ensemble, notre Père qui est aux cieux, prie avec moi, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation. Délivre-nous du malin, Seigneur, car c'est à toi qu'appartient l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, amen. Donnons les acclamations, Seigneur, amen. Gloire à Dieu, amen. Alors, pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles. Dans le livre de Daniel. In the book of Daniels. Daniel. Daniel. Daniel chapitre 9. Daniel chapter 9. Nous commençons du verset 1 au verset 3. From verse 1 to verse 3. La première année de Darius, fils d'Assurus de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. Daniel chapter 9, verse 1. In the first year of Darius, the son of Ahasuerus, of the lineage of the Medes, who was made king over the realm of the Chaldeans. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by the books the number of the years specified by the words of the Lord through Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. Then I set my face toward the Lord God to make requests by prayer and supplications with fasting, sackcloth and ashes. Vous pouvez continuer à lire à la maison. Nous sautons, nous prenons le verset 20. You may as well carry on reading at home, and then we après shall jump prié, up until voici 20. Ce qui s'est passé. After he had prayed, this is what happened. J'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit en s'entretenant avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché,
pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le saint des saints. Continuons. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Après les 62 semaines, un Noin sera retranché. Il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera par une inondation. Et il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qu'il a été résolu fonde sur le dévastateur. Amen. Daniel chapter 9, verse 20. Now while I was speaking, praying, and confessing my sins and the sins of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain of my God. Yes, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen in a vision at the beginning, being caused but to fly swiftly, reached me about the time of this evening offering. And he informed me and talked with me and said, O Daniel, I have now came forth to give you skills to understand. At the beginning of your supplications, the command went out, and I have come to tell you, for you are greatly beloved. Therefore, consider the matter and understand the vision. 70 weeks are determined for your people and for your holy city, to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliations for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up visions of prophecy, and to announce the most holy. Know therefore, and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until the Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The streets shall be built again, and the wall even in troublesome times. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of each shall be with a flood. Until the end of the war, desolations into the mind. Then he shall confirm and covenant with many for 1 week. But in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering. And on the wing of abominations shall be one who makes desolate, even until the consummation which is determined is poured out on the desolate. Allons dans les derniers livres de la Bible. Let us go to the last book of the Bible. Apocalypse chapitre 1. Revelation chapter 1. Commençons verset 1 jusqu'au verset 3. From verse 1 up until 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Revelation chapter 1 verse 1, the revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servants things which must shortly take place, and he sent is sanctified it by his angel to his servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ to all things that he saw. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Apocalypse 22, le verset 6. Revelation 22, 6 à 10. Verse 6 to 10. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui l'ai entendu et vu ces choses. Quand je l'ai entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes
de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ces livres adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Revelation 22, verse 6. Then he said to me, these words are faithful and true. And the Lord God of the holy prophets sent his angel to show his servants the things which must shortly take place. Behold, I am coming quickly. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Now, I John saw and heard these things, and when I heard them so, I fell down to worship before the feet of the angel whom showed me these things. Then he said to me, see that you do not do that, for I am your fellow servant and of your brethren, the prophets, and of those who keep the words of this book. Worship God. And he said to me, do not sell the words of the prophecy of this book, for the time is at hand. La dernière écriture, notre titre mère, Apocalypse chapitre 10, Revelation chapter 10. Gagnons du temps, lisons les versets 5 au verset 7. Let us just quickly jump to verse 5 to 7. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers les ciels et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Revelation 10, chapter 5, to seven. The angel whom I saw standing on the sea and on land raised up his hand to heaven, and swore by him who lives forever and ever, who created heaven and the things that are in it, the earth and the things that are in it, and the sea and the things that are in it, that they shall be delayed longer. But in the days of the sounding of the seventh angel, when he is about to sound, the mysteries of God will be finished, as he declared to his servants, the prophets. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. May God add blessing in the reading of his word. Assoyez-vous. May be seated. Nous commençons notre enseignement ce matin. Now we're starting our teaching this morning. Les 70 semaines de Daniel. The 70 weeks of Daniel. C'est ça le sujet, frère Franck écrit ça au tableau. This is the subject. Que ce matin nous commençons le volume 1. And today we're starting with the first volume. Si peut écrire le volume 1, if you can write also parce that que nous aurons 12 volumes. Because we're going to have 12 ce volumes. Matin, nous commençons le volume 1. But this morning we're starting with the first volume. Dont je l'intitule Rappel et division du livre d'Apocalypse. I'm going to entitle it a reminder of the division of the book of Revelation. Mais Frank, tu peux écrire ça. Frank, can you write volume it? 1. Volume 1. Rappel. Reminder. Et division. And division. Du livre d'Apocalypse. Of the book of Revelation. This is volume 1. Tu écris d'abord sujet. Write the subject. Tu peux écrire 70 en nombre, en chiffre. Write 70 in number. Là-bas en haut. Up there. Pour que tu puisses avoir l'esprit écrit sujet. 70 semaines de Daniel, 70 semaines de Daniel. Then write subject the 70 weeks of Daniel. Et le volume 1. And then you write volume 1. Parce que nous aurons 12 volumes. For we're going to have 12 volumes. Alors pour le volume 1, aujourd'hui, volume 1 le premier today, dimanche, the first Sunday, rappel et division du livre d'Apocalypse. Reminder of the division of the book of Revelation. Rappel. Reminder. Et division du livre d'Apocalypse. And division of the book of Revelation. Parce que nous aurons 12 volumes. We're going to have 12 volumes. Il va nous prendre les 24 heures du chrono ici, and du chronomètre de l'heure. About 24 hours. Et aujourd'hui, nous commençons de zéro à 2 heures. To 2 hours. 70 semaines de Daniel. 70 weeks of Daniel. C'est ça le sujet rapidement, frère. This is the subject, but I'll be quick. Et le volume 1. And volume 1. Rappel et division du livre d'Apocalypse. Reminder. And division of the book of Revelation. Anyway, pendant que lui l'écrit, vous suivez ici. Now, as he is writing, you follow here carefully. C'est pas une prédication. It's not a preaching. C'est un grand enseignement profond. It's a great and deeper teaching. Et je crois que vous êtes dans l'expectative. And I hope you're on expectations. Remarquez pourquoi nous ne pouvons pas enseigner. Now, notice why we cannot teach. Nous ne pouvons pas entrer profondément dans les 70 semaines de Daniel. We cannot get deep in the 70 weeks of Daniel. Sans que nous puissions vous rappeler. Without you being reminded sur le livre d'Apocalypse upon the book of Revelation
qui parle de sept âges de l'église. That speaks of the seven church ages. Je pense qu'on l'a déjà enseigné à Youville. Ça fait longtemps qu'on vous rappelle certaines choses. We'll be reminded certain things. Et parce que c'est relié ensemble. And because they are connected all together. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Remarquez, Frère Branham dit ceci. Now notice Brother Branham says this. Dans la prédication, les instructions de Daniel à Gabriel. In the sermon, instruction of Gabriel to Daniel. Le prophète de Dieu dit, the prophet of God says, paragraphe 33, il dit ceci. Paragraph 33, he says, il dit, alors j'ai lu les livres. He said, therefore I have read the book. En effet, si je veux savoir ces choses. In fact, if I would like to know these things. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Si nous voulons savoir ces choses. If we would like to know these things. Ce n'est pas pour dire moi je sais ceci, moi je sais cela. It's not for one to claim that I know this or I know that. Si nous voulons savoir ces choses. If you want to know these moi aussi, ce n'est pas pour dire que je connais beaucoup. It's not for me to say that I know a lot. Il connaît mon cœur. He knows my heart. Il m'écoute en ce moment. He can hear me right Mais now. Si je veux savoir, but if I would like to know, c'est dans le but, it's with the purpose, d'éclairer son peuple, is to enlighten his people. C'est pourquoi je crois qu'il va me les donner. That's why I believe that he's going to give them to me. Madame dit, je ne sais pas encore, il ne le savait pas avant. Madame says I did not know that. Mais je compte sur lui. Pour dimanche prochain. But I count upon him for next Sunday. Parce que ce serait la partie capitale. Because that will be the main part. Dimanche prochain de connaître et de placer les 70 semaines de Daniel. Of next Sunday to place the 70 weeks of Daniel. Dans paragraphe 35, il dit encore. In paragraph 35, he says again. Il dit, je me souviens qu'une fois Salomon a prié. Says, I remember once Solomon prayed. Qu'il a demandé au Seigneur Dieu de lui donner la sagesse. He asked the Lord God to give him wisdom. Pas pour que ses jours soient prolongés. Not that his days may be extended. Pas pour une vie longue. Not for a long life. Pas pour qu'il ait des richesses. Not for him to have wealth. Mais qu'il puisse avoir la sagesse. But he wanted to have wisdom. Pour juger le peuple de Dieu. To judge the people of God. Et Dieu a exaucé cette prière. And God had answered that prayer. Il a donné cette sagesse à Salomon. He gave that wisdom to Solomon. Parce que c'était pour son peuple. Because it was for his people. Et c'est pour ça que je demande à Dieu. And that is the reason why I asked to God. De me faire savoir ce que c'est les 70 semaines de Daniel. To make me know what is this 20 weeks of Daniel. Qu'est-ce que cela signifie? What does it mean? C'est parce que. It's because. C'est le calendrier qui s'applique à précisément à l'âge où nous vivons. It is the calendar that is being used precisely in the age we're living in. Qui peut dire amen? Who can say amen? Si nous voulons en savoir, if we would like to know of it, c'est parce que c'est un calendrier. It's because it is a calendar. Et le calendrier là s'applique dans l'âge où nous vivons. And that particular calendar is being applied. Nous voulons la sagesse de Dieu. That's why we want God's wisdom. Et l'inspiration. And the inspiration. Pour parler de ces choses. To speak about these things. Amen. Amen. Par conséquent. Consequently, je veux savoir ce qu'il en est. I want to know what it is about. Pas pour moi-même. Not for myself. Pas pour moi-même. Not for myself. Évidemment, moi-même, je verrai aussi ce savoir. Definitely, I would like to know as well. Mais ce n'est pas dans ce sens. But it's not in that pas way. Pour moi-même. Not for myself. Mais parce que je veux savoir. But because I would like to know. Je veux le savoir parce que je veux savoir. I would like to know because I want to know. Où nous en sommes. Where we are. Vous suivez les prophètes? Are you following the prophet? Où nous en sommes. Where we are. Ça dit dans quel partie de la parole nous sommes. Meaning which part of the word we are. Où nous en sommes. Where we are. Dans quel âge nous vivons. In which age we're living in. Qui peut dire un grand amen. Who can say big amen. Il dit encore dans 36. He says again in paragraph 36. Il dit plusieurs ont fait leur propre calcul. He says many a lot have done their calculation. Plusieurs docteurs avant many Frère Branham, au cours des âges, before Brother Branham ils ont ages, fait leur propre calcul aussi. They made their own calculations. Et ils ont fait aboutir cela à bien dans des choses. And they concluded in certain things. Je lisais quelqu'un qui avait fait les calculs. And I was reading somebody that made some calculations. Il s'est terminé en 1919. And he finished in 1919. Il a pensé que c'est ça la fin des 70 semaines. He thought that that was the end of the 70 weeks. Vous voyez? You see? D'après les 70 semaines. According to the 70 weeks. Alors nous voulons connaître la vérité. Now we'd like to know the truth. Et je demande à Dieu de me donner la vérité. And I ask to God to give me the truth. Tu vois dans quel esprit et dans quel respect Frère Branham abordait ça. You see in which spirit and which respect God was bringing it. Dans paragraphe 40 il dit ceci. Paragraph 40 he says. Peu importe combien c'est compliqué. No matter how complicating it might be. C'est un enseignement compliqué. It's a complicating teaching. Peu importe c'est compliqué. No matter how complicating it is. Dieu peut se démêler et le simplifier. God can discern and make it simple. Car
nous sommes une partie des gens qui languissent. For we are part of people that desire. Et qu'il prie pour qu'il vienne dans ces jours. And requires him to come on this day. Nos yeux sont fixés vers le ciel. Our sight are turned toward heaven. Nous attendons sa venue. We're waiting upon his coming. Et je suis absolument sûr. And I'm so sure. Qu'il va nous le montrer. That he will show it unto us. Ça ne va pas dire le jour ou l'heure. It won't say the day and the hour. Parce qu'aucun homme ne connaît le jour et l'heure. For no one knows the day and the hour. Mais ça va assurément nous dire. But it will assuredly tell us. Dans quel jour de la semaine nous vivons. In which day of the week we are living in. Et si seulement nous pouvons le saisir. Only if we can catch it. Qui peut dire amen? Okay, say amen. Il dit dans 99, il dit. 99, he says. Il a révélé tout ce qu'il allait arriver. He revealed all that had to come. Dans les 70 semaines de Daniel. In the 70 weeks of Daniel. Dieu a révélé tout ce qu'il allait arriver. God revealed all that had to come. Jusqu'au moment où le royaume serait entièrement rétabli jusqu'au millénium. Up until the kingdom will be fully established up until the millennium. Les 70 semaines de Daniel est croquée. Project me the tu vois, picture. Dieu dans ses mystères, dans ses calendriers. Now God in his mystery in the calendar. Il va révéler toutes choses. He will reveal all things. Jusqu'à ce qu'il va rétablir le royaume. Up until he will establish the kingdom. Jusqu'au millénium. Up until the millennium. Le message de Gabriel. The message of Gabriel. À Daniel, comme nous venons de le lire. To Daniel, as you have read. Il dit, je suis venu te dire il y a 70 ans. He said, I have come to tell you 70 weeks. Rabbanam dit, ou encore 70 semaines. He says, or 70 weeks. Qui ont été fixés sur ton peuple. That has been fixed upon your people. Qui ont été fixés jusqu'à la fin des générations des Juifs. That has been fixed up until the end of the generation of the Jewish. Il y aura 70 semaines. There will be 70 weeks. Maintenant, écoutez bien ce qu'il a dit là. Now listen carefully what he said. Depuis here. L'annonce du rétablissement. See up until the announcement of the establishment. 70 semaines ont été fixées. 70 weeks was fixed. Sur ton peuple. Upon your people. Et sur la ville. And upon the city. Sa ville, ce n'était pas Babylone. The city wasn't Babylon. Sa ville, c'était Jérusalem. His city was Jerusalem. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Oh, lisons quelques citations ici. Now let us read a few quotations. Dans la 70e semaine de Daniel. In the 70th week of Daniel. Paragraphe 76. Paragraph 76. Rabbanam dit. Rabbanam says. Donc, il y a un temps fixé. Therefore, there is a fixed time. Personne ne connaît, ne sait quand ce serait. No one knows when will that be. Voyez, si. C'est un mystère. It's a mystery. Voyez-vous le temps des nations. You see the time of the Gentiles. Donc nous ne pouvons pas connaître le temps en regardant l'église. We cannot look at the time, not the time by looking at the church. Nous ne connaîtrons pas le temps de l'enlèvement en regardant l'église. We will not know the time of the rapture by looking at the church. Elle a rétrogradé. It has backslided. Ou elle a avancé. Or it has moved forward. Ou parce que elle fait ça. Or because she does on this. Ne peut pas savoir par là. We cannot know by that. Mais regardez les Juifs. But look at the Jews. C'est eux le calendrier du temps. They are the calendars of time. Qui peut dire amen? Who can say amen? Dieu les a fixé un jour. God made a day unto them. Une heure. An hour. Un temps. A time. Bien précis. Well precise. Mais il n'a jamais fait ça pour les gens des nations. But he did not do it for the Gentiles. Il a fait ça pour les Juifs. He did it for the Jews. Donc, observons les Juifs. Now observe the Jews. Alors nous saurons là où nous sommes. Then we'll know where we are. Je vais entendre un grand amen. I want to hear a big amen. Quand nous observons l'église, when we observe the church, nous ne saurons pas dans quel temps nous vivons. We will not know at which time we're living in. L'église n'est pas le calendrier de Dieu. The church is not God's calendar. L'église n'est pas l'horloge de Dieu. The church is not God's clock. Peut-être elle a avancé ou elle a rétrogradé. Perhaps it has moved forward or it has backslided. Mais le calendrier de Dieu. But God's calendar. La montre de Dieu. God's clock. Ce sont les Juifs. Are the Jewish. Et les Juifs, and the Jews, Dieu leur a donné le temps précis. God gave them a precise time. Pour eux, Dieu a mis ça dans les 70 semaines. For them, God placed it in the 70 weeks. Pour nous, les nations, on ne connaît pas le temps précis. For us, the Gentiles, we do not know the precise time. Mais si nous voulons savoir pour nous, les nations, but if we like to know for us, the Gentiles, dans quel temps nous sommes, at which time we are, nous regardons les Juifs. We look at the Jewish. Nous regardons l'horloge. We look at the clock. Nous regardons le calendrier. We look at the calendar. Nous regardons la montre. And we look at the clock. Israël est la montre. Israel is God's clock. Et leur calendrier, and their calendar, c'est précis. It's precise. Dieu a dit à Daniel, God said to Daniel, il y aura 70 semaines. There will be 70 weeks. Et si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Voyez mes amis. You see, friends. Rabbanam continue. Rabbanam carries on.
Ils ont un peu beaucoup de citations ici. Let's read more quotations here. Dans les instructions de Daniel à Gabriel. In instruction of Daniel, Gabriel maintenant Daniel. Je vais demander donc. My mom says, now I will ask. À Doc s'il veut bien m'installer les tableaux. C'est pourquoi on a mis les tableaux. To Brother Doc, if he can put the board, that's what we have placed. Pour que je puisse représenter ça. So that I can represent it, illustrate it. Je ne veux pas que vous le manquiez. I don't want you to miss it. Et voilà ce que Frère Branham avait dessiné. This is what Brother Branham drew. Ça c'est le dessin que Frère Branham avait fait. This is the picture which was done by Brother Branham. Nous allons en profondeur là-dessus. We'll go deep in c'est it. Sa fille Rebecca qui lui a dessiné ça. Sister Rebecca is the one who drew this. Brother ce que Dieu lui avait révélé. Brother Branham showed her what God et revealed il a mis to ça au tableau. And she put it on the board. Mais nous allons voir comment il a corrigé certaines and choses. And we'll see how he corrected certain things. Il continue de ceci, mes amis. Then he says this, friend. Il dit, je ne veux pas que vous manquiez ça. He says, I don't want you to miss this. Vous devez faire l'étude avec moi. You need to do the studies along with me. En avance ici, je veux qu'on étudie ça ensemble. When we're moving forward here, I would like us all to move forward. Parce que c'est pas une, c'est une étude. For it is a study. Et d'en faire en profondeur. And to study it deeper. Il y aura des choses trop profondes. There will be deeper things in this. Sinon, vous allez le manquer. Otherwise, you'll miss it. Je veux que je puisse dessiner ça au tableau comme like il a dessiné. Draw it here on the board. Alors apportez-moi un crayon et du papier et notez les dates. And he says, bring me a pencil and vous the papers. Write noter the les dates. Write on the date. Le temps. Time. Et toutes les renseignements. And all the teachings. Dans paragraphe 27, il dit ceci. Paragraph 25, he says. De la même prédication. In the same preaching. Maintenant, je pense que si les enfants veulent aller dans leur classe, now, I think if je vais introduire pour le respect que nous devons suivre. Now, I'm teaching, I'm introducing this for the respect that we need in order for us to follow this. Le pasteur Neville parle. Pastor Neville speaks. Frère Branham dit, nous serions contents que says, vous les petits vous montrez de la bonne volonté. That you little children to show goodwill. Parce que ce matin, because this morning, nous attaquons un message capital. We're speaking about a capital teaching. Gardez bien vos enfants. That's why keep all même your children. Les petits enfants ne criez pas. Even il faut babies, que les adultes cry, comprennent. For the adults need to understand. Et je vais avoir votre attention comme Frère Branham demande. And I need your attention, Frère Branham requires. C'est un enseignement capital. Frère Branham says it's a capital teaching. C'est un enseignement très capital, mes amis. Very capital. Si vous le comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Il dit c'est très capital. He says it's very capital. J'en suis sûr. And I'm sure. Ça va être important. It will be important. Dans 107, il dit. 107, he says. Et si nous arrivons à trouver ces jours-là, if we happen to find that si nous arrivons à trouver les 70 semaines, if we happen to find the 70 weeks of Daniel, nous trouverons exactement we'll find exactly quand ce serait la fin. When it will be the end. Branham dit, vous saisissez. Branham says, do you understand? L'assemblée dit, amen. The congregation says, amen. Quand Frère Branham parle, vous devez répondre. You answer when Branham speaks. Il dit, vous saisissez. Il voulait que les gens saisissent. He wanted people to understand it and catch it. Vous voyez? He says, you see? C'est fixé jusqu'au verset 24. It fixed up until verse 24. C'est l'un des passages les plus importants du livre. It says it's one of the most important pages. Qu'est-ce qu'il fait? What does he do? Il annonce quand ce serait terminé pour la nation juive. He announces when it will be over for the Jewish. 70 weeks of le peuple juif. The people, the Jewish. C'est pas ça de l'écriture que nous venons de lire 70 semaines. The scriptures we have read the 70 weeks of Daniel. Il révèle et dit exactement ce qu'il en est. It reveals exactly what it is about. À partir du moment où Daniel a commencé là-bas. From the time when Daniel began over there. Jusqu'au moment où ce serait la fin de toutes choses. Up until it will be the end of all things. C'est l'une des plus grandes horloges. It's one of the greatest clocks. Combien m'ont jamais entendu dire? How many have heard me say? Si vous voulez savoir quel jour de la semaine on est, if you want to know what day of the week we are, regardez le calendrier. Look at the calendar. Et si vous voulez savoir dans quel temps nous vivons, if you like to know at which time we're living in, observez les Juifs. Observe the Jewish. C'est exact. It exact. C'est là même que Dieu tire son calendrier. That is where God pulls his calendar. N'importe quel théologien, any theologian, n'importe quel étudiant de la Bible, any reader of the Bible, n'importe lequel vous dira que anyone will tell you l'horloge c'est les Juifs. That the clock is the Jewish. Ah, si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. L'horloge c'est les Juifs. The clock is the Jew. Insiste ici avant qu'on entre en profondeur. But Madame emphasizes we're going deeper. Que les 70 semaines de Daniel. That the 70 weeks of Daniel. C'est ça la montre pour l'Église. That is the clock for the church.
C'est ça le calendrier pour l'église. That is the calendar for the church. Pour que nous puissions savoir dans quel temps nous sommes. So that we may know at which time we are in. Il ne s'agit pas de regarder à l'église. It's not just about looking at the church. Parce que l'église peut avancer ou rétrograder. Because the church can move forward si or backslide. But if we would like to dans know quel temps nous vivons, at which time we're living in. Combien de temps nous sommes près de l'enlèvement? How long are we close toward the rapture? Jésus lui-même dans Matthieu 24. Even Jesus in Matthew 24 said, il a dit, quand le figuier bougeant, he says, when you see the fig tree budding, oh, le figuier, c'est toujours Israël. While the fig is or the fig tree is Israel. Oh, la durée fixée pour Israël, wow, the fixed time for Israel, c'est dans les 70 semaines. It's in the 70 weeks. Oh, si vous comprenez du temps. If you understand, say amen. So, nous voulons regarder le calendrier. That's why we like to look at the calendar. Nous voulons observer la montre. We like to observe the clock. Nous voulons savoir dans quel temps nous vivons. We like to observe at which time we're living in. Dans 113, 113, he says. Vous voyez l'horloge, les Juifs. He says, you see, the clock is the Jew. Nous voulons savoir dans quelle heure nous vivons. He says, I would like to know at which hour we're living in. C'est un enseignement capital. That's why it's a capital teaching. Ce n'est pas pour les bébés. It's not for babies. Je parle ici de bébés spirituels. I'm talking about spiritual babies. Tu peux être un adulte ici, mais tu es un bébé. You can be an adult here. Ce n'est pas un enseignement dénominationnel. It's not a denominational teaching. Ce n'est pas un enseignement pentecôtiste. It's not a pentecôtiste teaching. C'est un enseignement profond de la Bible. Deeper teaching of the Bible. Et c'est un enseignement qui nous montre dans quel temps nous sommes pour l'enlèvement. And it's a teaching that even shows us how far we are to the rapture. C'est le calendrier de Dieu. It is God's calendar. Et ça nous aide à nous préparer, mes amis. And it helps us to make ourselves ready. Même si tu étais distrait d'une manière ou d'une autre, even if you're distracted in any way, quand tu regardes la montre, when you look at the clock, tu vois que le temps est passé. You see that the time has passed. Tu vas vite rentrer à la maison. You must go back fast home. Même dans le naturel, even in natural, we do that. Tu étais sorti, tu étais en train de marcher. You went out, you're walking. Mais après, tu regardes la montre. But afterward, when you look at the time, il est maintenant tard. He says, now delay. Je dois vite rentrer à la maison. I have to quick grow et back nous prions home. Que les brebis du Seigneur, and we pray that the sheep of the Lord, qu'il avait connu avant la fondation that du monde, he knew them from the foundation qu'il of the world, écouter ces choses, that we hear these même things, si c'était dans les dénominations, even though they were in a denomination, oui, c'était dans les distractions, or they were in distractions, ils vont rentrer dans la bergerie. They will return back in the sheep house. Parce que nous allons voir dans quel temps nous vivons, mes amis. Because we'll see at which time we're living in. Et n'oubliez pas que je vous avais dit au début de l'année. Now, don't you forget that I told that at the beginning of the year. Que cette année 2017. That in this year of 2017. 2017. Et vous devez se rappeler de certains enseignements. And you need to remember some teaching. Je vous avais prêché au début de l'année que nous réserve l'année 2017. And this year I taught you on what does the year 2017 is. Combien se souviennent de ça? How many remember that? Et nous avons vu avec. And we saw along with you. Et selon le calendrier de la Bible. That according to the calendar of the Bible. Dieu ne compte pas au-delà de 2000 ans. God does not count beyond 2000 years. Depuis Adam jusqu'à Noé. From Adam up to our day. Le monde a duré 2000 ans. From Adam to Noah, the world lasted for 2,000 years. Le monde avec la pluie. God destroyed the world with the rain. Si c'est la vérité, dit amen. If it's the truth, say amen. Et de Noé jusqu'à Jésus-Christ, and from Noah to Jesus, c'était aussi 2000 ans. It was also 2,000 le sang years. A coulé sur le calvaire. The blood shed the covering. Et de Jésus jusqu'à nous, and from Jesus to us, un autre 2000 ans. Another 2,000. Dieu doit détruire ce monde. God has to destroy this mais world. Dieu nous a donné encore 17 ans. But so far, he has given us 17 more years. Au-delà de 2000 ans. Beyond 2000. Et le nombre 17. And the number 17. C'est nous qui disons 2017. We are the ones saying 2017. Mais Dieu arrête à compter à 2000. But God stops in counting in 2000. Oh, si vous êtes avec moi, dites amen. If you are with me, say amen. Nous sommes dans l'année 17. We are in the year 17. Oh, le nombre 17. Well, number 17. Dans la mathématique de la Bible. In the Bible's mathematics. C'est le changement de système. It's the change of systems. Qui peut dire amen? Who can say amen? Combien m'avez entendu au début de l'année dire ici? Amen. Que cette année, il y aura le système du monde qui va changer. I said that the system of the world will change. Même politiquement. Even politically. Économiquement. Economically. Spirituellement. Spiritually. Le système va changer. The system will change. Comment on connaît ça? How do we know it? Par le nombre 17. By the number 17. C'est aussi le nombre de la visitation. It's also the number of visitation. C'est quoi dans quand Noé était entré dans l'arche? That's how I know I got in the ark. Quand le monde est le 17 mai. Now on the 17th of May. Tu as visité le monde. God visited the world. La pluie a commencé à tomber. The rain began falling. C'est pourquoi dans Genèse 17, that's why in Genesis 17, Abraham était fatigué. Abraham was tired. Il voulait abandonner. He wanted to abandon. Dieu est venu le visiter. But God came to visit comme him. Étant El
El Shaddai. As El Shaddai. C'est pourquoi David, that's why David a tué Goliath, killed Goliath à 17 ans, at the age of 17. Par la force que Dieu l'avait by the strength which God visited c'est him. Pourquoi Joseph, that's why Joseph, à l'âge de 17 ans, at the age of 17, son père lui a donné la robe à 7 his couleurs. Father gave him the robe of 7 c'est colors. Pourquoi même Marie, that's why even Mary, à 17 ans, at the age of 17, le même Gabriel qui visita Daniel, the same Gabriel that visited Daniel est venu la visiter, came to visit her. Et Marie a reçu Christ. And Mary received Christ. That's why in Matthew 17, Jesus was transfigured. Et le ciel était ouvert. Heaven was open. Dieu l'a visité. God visited him. La voix dit, celui-ci est mon fils. The voice said, this is my son. Écoutez-le. Hear ye him. Qui peut dire amen? Who can say amen? C'est pour cela même frère Branham. That's why even Brother Branham. Quand il baptisait dans la rivière Oyo. When he was baptizing in the Ohio River. 17th person, when he arrived at the 17th le person. Le ciel était ouvert. Heaven was open. Et la voix dit, and the voice said. Comme j'avais envoyé Jean-Baptiste. As I sent John the Baptist. Avec un message. With a message. Je t'envoie avec un message. So send I you. Pour préparer la seconde. To prepare the second coming. Voilà la photo de la nuée. That's why the picture of quand la science a pris ça, when the scientists took a picture of it, as a great visitation, cela est apparu dans les journaux, it appeared in the news, le 17 mai, the 17th of May. C'est un chiffre de la visitation. It's a number of visitation. Dieu va nous visiter cette année. God will visit us this il year. Il ne rate pas ses rendez-vous. He doesn't miss his appointment. Mais la meilleure manière de le permettre de nous visiter. But the best way to allow him to visit us. C'est d'entrer dans les profondeurs de la parole. Is to get into the deepness of the word. Parce que lui il est la parole. Because he is the word. Si vous le croyez, dites amen. If you believe, it's c'est an amen. C'est un grand mystère. It's a great mystery. C'est pourquoi je vous avais montré. That's why I showed you. Que cette année. This year. Regardons l'horloge. Let us look at the clock. Et quand nous regardons les Juifs, and when we look at the Jews, vous vous souvenez de ce que je vous avais dit? You remember what I told you? Cette année, c'est 120 ans. This year is 120 years. Depuis 1897. Since 1871. Jusqu'à 2017. Up until 2017. C'est 120 ans. It's 120 depuis years. Que Théodore X, since Théodore X avait commencé le mouvement sioniste, began the Zionist movement, pour qu'il retourne à Jérusalem, so that they return back in et Jerusalem. 120 ans dans la Bible, and 120 years in the Bible, une génération au temps de Noé. It was a generation, the time of Noah. Si vous le croyez, dites amen. If you believe, it's an amen. Et je vous ai dit que cette année encore, now I told you this year again, c'est 100 ans. It's 100 years. Depuis 1917, since 1917, 2017, 100 ans. 100 years. Depuis que le général Allenby, since the general Allenby, si le frère peut être prêt là, I don't know if the brother avait can be ready, repris Jérusalem, since the general Allenby received back Jerusalem, Juifs, and gave them to the Jewish. Je vous avais enseigné ça ici avec I taught you this with the pictures. Et je vous ai dit encore, and I told you again, ici, that this year, c'est 50 ans, it's 50 years, depuis la guerre des six jours, since the war of 6 days, 1967, quand le général Uzi, when the general Uzi, et le général Moshe Dayan, and the general Moshe Dayan, ils avaient pris Jérusalem. They took Jerusalem. Pour la première fois depuis qu'ils étaient dispersés depuis le temps de Jésus. For the first time since they were scattered in the time of Jesus. Nous avons vu ça ici. We saw it here. Et 50 dans la Bible. And 50 in the Bible. Selon le Lévitique. According to Leviticus. C'est un nombre de jubilés. It's a number of jubilee. Oh, si vous le croyez, dites amen. If you believe, it's an amen. C'est un nombre de jubilés. It's a number of jubilee, brother. Et pour les, et toujours pour Israël. And still for Israel. Cette année, c'est 70 ans. This year, it's 70 years. Depuis 1947. Since 1947. L'ONU avait décidé. The UN decided. De partager Jérusalem en deux parties. To share up Jerusalem in two parts. Les païens pensent que c'est un événement politique. The unbelievers, the pagan things that that is a et political event. Le nous a montré ça dans la Bible. The prophet showed us in the Bible. Le prophète avait prophété dans la Bible. That the prophet prophesied in the Bible. Au temps de la fin. That at the end time. Jérusalem deviendra une pierre pesante. That Jerusalem will be a burdensome stone. Et toutes les nations se rassembleront. And all the nations will gather together. Et Dieu se mettra en colère. And God will be angry. À cause de son pays qu'ils ont divisé. Because of his land that they divided. Tout ça, j'avais montré ça ici. I showed you all this. Things. Et pour l'église, and for the church, cette année ici, this year, c'était 500 ans. It was 500 years. Combien se souvient de ça? How many remember that? Depuis Luther, since Luther, il avait protesté contre l'église catholique. Protested against the Catholic Church. Le début de la réforme. The beginning of the reformer. Parce qu'à partir de Luther, because from Luther time, qui a protesté, that protested, c'est là où les protestants sont venus. That's where the protestants came. C'est là où les méthodistes vont venir. That's where the Methodists came. C'est là où les pentecôtistes vont venir après. That's when also the Pentecostists came afterwards. Et c'est là où Dieu enverra le message. And it is then when God sent forth the
message. Pour couronner toutes choses. To crown out all et things. 500 dans la mathématique de Dieu. And 500 in God's mathematics. C'est le changement de dimension. It's a change of dimension. C'est ça le chiffre de l'enlèvement. That is the number of the rapture. David avait 500 femmes. David had 500 wives. Qui montrait Jésus le fils de David. That showed Jesus being the son of David. Qui prendra l'époux pour l'enlèvement. That will take the bride for the rapture. Qui reviendra pour le millénium. And return for the millennium. Salomon qui avait 1000 femmes. Solomon that had 1000 wives. C'est le millénium. That was the millennium. Vous voyez, je vous avais enseigné. You see, I taught you this again. Je vous avais dit que cette année encore, and I taught you again this year. Pour l'église, for the church, c'est 40 ans. It's 40 years. Et puis 1977. Since 1977. Le prophète avait mis la fin de système. The prophet put the end of system. Selon les sept visions. According to the seven visions. Et la fin du monde. That the end of the world. Il dit que ça commence en 1977. Dieu nous a donné toute une génération. God gave us an entire generation. 40 ans, c'est une génération. 40 years is a generation. Nous sommes la dernière génération. We are the last generation. Le monde n'ira plus loin. The world won't go far. Et je vous ai dit que c'est 70 ans. And I told you 70 years again. Depuis 1947. Since 1947. J'ai dit à Frère Branham. God told Brother Branham. Quand tu prêches. When you preach. Enregistre le message. He says store up, record the message. Emmagasiner la nourriture. And store up the food. Tu as dit à Frère Branham, God said to Brother Branham, que la prophétie avait dit, that the prophecy said, au temps de la fin, that at the end time, il y aura la famine. There shall be famine. Est-ce que c'est la vérité? Is it the truth? Pas seulement la famine de la nourriture charnelle. Not only famine or of carnal food. Mais il y aura la famine de la vraie parole. But there will be famine of the genuine word. Voyez-vous pourquoi les églises sont dans la famine? You see why churches are in famine? Allez dans les églises aujourd'hui. Go to churches nowadays. Ils n'ont rien à prêcher. They've got nothing to preach about. C'est seulement les mêmes choses. It's only the same thing. Recevez l'argent. Receive money. Recevez les mariages. Receive marriage. Oh, recevez ceci. Receive this. Il n'y a pas la nourriture. They don't have genuine food. Il n'y a food. Pas la parole. They don't have the genuine L'église word. A commencé à faire des jeux. The church is not playing around. C'est la famine. It's famine. Mais Dieu a dit à Frère Branham, but God said to Brother Branham, voici la nourriture spirituelle. Behold the spiritual food. Au temps convenable. In due season. Toi, magasiner ça. You store it up. Ici au Branham Tabernacle. Here in the Branham Tabernacle. Enregistrer la nourriture. Record the store et of the food. Et tu vas distribuer ça. And you distribute mais it. Mais lui n'a pas eu le temps de distribuer. But he never had time to distribute. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Tu vois son fils est Joseph. That's why his son Joseph. Un prophète. A prophet. A pris sa place. Took his place. Il est en train de distribuer. And he's distributing. Aujourd'hui dans le monde entier mes amis. Today in the entire world. Nous sommes le peuple le plus. We are the most blessed people. Que les jours où on comprendra ça. Because the day we understand nous sommes un peuple béni. That we are blessed people. Que les gens sont de la famille. While people are in famine. De la parole. Of the word. Nous avons la parole. We have got the word. Dans les bandes et les brochures. In the tabs and brochures. Je vois même les prédicateurs pentecôtistes. That's the Pentecostal preachers. Ils lisent Frère Branham. They read Brother Branham. En coulisses. In a hidden way. Pour avoir quelque chose. So they can have an inspiration. Mais nous. But us. Nous avons l'abondance. We've got abundance. La plénitude. The fullness. De la parole. Of the word. Cette année, and this year, c'est 70 ans. It's 70 depuis que Dieu nous a enregistré la nourriture. Since God stored up the food for us. Et Joseph continue à distribuer. Joseph is still storing, he is distributing it. Les 70 semaines de Daniel. Now the 70 week of Daniel. Nous montre la position exacte. Shows us the position. Montrez-moi mon dessin à moi qui complète celui-ci. Show me the Frère, je veux que toi-même tu sois là. Brother Jerry, I want you to be here. Ça nous montre ici. It shows us here. Que Dieu bénisse notre dessinateur qui est là qui marque. Que Dieu te bénisse beaucoup. May God bless you, the one who drew it for us. Ça c'est le calendrier. This is the calendar. Nous entrerons en profondeur. We're gonna go deep in it now. Venir dans le temps. We came in time. Adam. Adam. Nous allons entrer en profondeur. We're gonna go deep in jusqu'aux it. 70 semaines. Until the 70 et weeks. Et les âges de l'Église et les sceaux. And the church ages and the seals. Jusqu'au temps de l'enlèvement. Up until the time of the rapture. Et qu'est-ce qui va arriver après l'enlèvement? And what happens after the rapture? Jusqu'à l'Armageddon. Up until the Armageddon. Jusqu'au millénium. Up until the millennium. Jusqu'au jugement du trône blanc. Up until the judgment of the white throne. Et jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Up until the new Jerusalem. C'est tout le plan. It's the entire plan. Quand tu ne connais pas ça, when you don't know this, tu n'es pas encore un chrétien. You are not yet a Christian. Tu ne peux pas se préparer. You cannot make yourself ready. C'est le plan. It is the plan. C'est comme un maçon. It's just like a builder. L'ingénieur te donne le plan. The builder gives you the blueprint. Tu construis la maison selon le plan. You're building the house in line with the blueprints that were given. Et dans cela, and in that,
nous allons comprendre. We will understand. Dans quel temps nous sommes. At which time we are at. Je vais entendre un amen. When I hear amen. Dans quel espace de temps nous sommes. Which space of time we are at. Où est-ce que nous sommes dans la vision de Dieu. Where are we in God's vision. Où est-ce que nous sommes dans la prophétie. Where are we in the prophecy. Et où est-ce que nous sommes dans les événements modernes. And where are we in the modern event. Il y a cinq choses. There are five things. Ça va nous montrer, mes amis. That will show us, friends. Dans quel temps nous sommes. At which time we are. Dans quel espace nous sommes régis. At which space of time are we at. Dans quelle partie nous sommes dans la vision de Dieu. At which part are we in God's vision. Et dans quel moment nous sommes dans la prophétie. And at which moment are we in the prophecy. Et dans quels événements modernes nous vivons. And in which modern event are we living in. Parce que les événements modernes, because modern events, sont rendus clairs, are made clear, par la prophétie, by prophecy. Oh, est-ce que je prêche aux croyants? Am I preaching to the believers? Les événements modernes, modern events, on doit les rendre clairs, we need to make them clear, par la prophétie, by prophecy. Les événements politico-économiques, political events and economical events, dans le monde, in the world, on comprend ça, we understand it, par la prophétie, by prophecy. Et souvenez-vous pendant que je commence ça ici. Now, as I'm beginning it, I remember. Le système a changé. System has changed. Comme je vous avais dit au début. As I told you in the beginning. L'Amérique a eu un président du nom de Trump. The America has received a president by the name of Trump. Qui signifie trompette. That means trumpet. Chaque nom a l'influence. Baram says each name has got an influence. Il ne connaît pas la politique. He says he does not know politics. C'est un homme d'affaires. He's a businessman. C'est un signe pour nous. It's a sign for us. Et pendant que je commence ici. As I'm starting here. Il a commencé un voyage. He started to travel. Hier, il est arrivé en Arabie Saoudite. Yesterday, I arrived in Arabia Saudi. Il dit, je vais parler aux musulmans. He said, I want to speak to Muslims. Et demain, il ira à Jérusalem. And tomorrow, he's going to Jerusalem. Il dit, je vais parler aux Juifs. He says, I want to speak to the Jews. Et je parlerai aux Palestiniens. And I will speak to Palestinians. Il dit, après, je reviendrai au Vatican. And he says, and then I will come back to Vatican. Pour parler à l'Église catholique et le Pape. To speak to Catholic Church and the Pope. Et il terminera son voyage en Europe. And he will finish his journey in pour Europe. Pour parler de l'économie. To speak about economy. Quand le monde when the world looks at that, ils ne connaissent rien. They know nothing. Béni soit le nom du Seigneur. But blessed be the name of the Lord. Il nous a envoyé un prophète. That has sent us a prophet. Tu vois qu'est-ce qui va arriver? What will happen? Satan essaie de mettre les choses de la fin. Satan is trying to place down things for the end. Le mouvement de la fin. The movement of the end. Arrivera par les musulmans. Will happen through Muslims. Par les Juifs. Through the Jewish. Parce que le conflit, c'est les musulmans qui ont construit la mosquée là où se trouvait le temple. Because the movement is that the Jewish, the Muslim built the temple where the temple of the Jewish used to nous be. Nous allons voir ça. We're going to see that. Il faut que les mosquées d'Omar soient détruites. The mosque of Omar need to be destroyed. Alors or demolished. Il faut essayer de faire une fausse réconciliation entre les Juifs et les musulmans. Now there needs to be a false reconciliation between the Jewish and the Muslim. Et c'est l'Amérique et la papauté. And it's America and Pope Xi that will succeed in selon it according to the that said the Lord. Et il fait ce tour là. And he was doing already parce qu'ils vont régler les problèmes économiques. Because they're going to fix the economic problem. Je vais entendre un grand amen. I want to hear a big amen. Ce sont les événements. These are events. Pendant qu'il commence ça, as they're starting nous it, nous entrons dans la chose. We are getting into the thing. Dans la matière de l'épouse. In the bright matter. Mes amis, aujourd'hui, je vais seulement rappeler. Friends, today I just want to remind. Ça, ce n'est pas pour les bébés. This is not for babies. Beaucoup, je sais qu'ils ne viendront pas à l'église. Maybe are not coming to church. Parce que ici, ce n'est pas un enseignement aux guérisons. Because these are not teaching of all ça healing. Ça, ce sont des choses profondes. These are deep things. Que un bébé ne comprendra pas. A baby will not understand. Même pendant que j'en parle. Even as I'm speaking ça, now. Ça, ce n'est pas pour les vautours. This is not for the vultures. Ça, c'est pour les aigles. These are for the eagles. C'est seulement les aigles qui montent très it's haut. It's only eagles that will fly higher. Est-ce que vous pouvez dire amen? Are you able to say amen? Vous voyez l'important de ça, mes amis. You see the importance of this. C'est l'horloge de Dieu. It is God's clock. Et aujourd'hui, and today, pendant que j'essaie de vous en parler, as I'm trying to speak to you, c'est 2555 ans. It's 255 years à already. À peu près 2600 ans. Already almost 2600 years. Depuis que Daniel avait eu cette vision. Since Daniel saw the vision. Parce qu'il a eu la vision de la visitation. Because he had a vision of the visitation. Je pense que prochainement on va copier ça et puis on va vous mettre ça dans vos mains. Next time we'll copy this and give it c'est to your hands. Vers l'année
Bring back that picture. It's 538. That is where. 538 before Jesus Christ. Just be calm. It's just a reminder. 538. That is where Gabriel est venu visiter Daniel. Visited Daniel. Pour lui donner ce to give him the calendar. Et 2600 ans après, and 2,600 years later, voici en train d'en parler. Here we are speaking about it. 70 semaines de Daniel a été fixé. The 70 weeks of Daniel was made up. Pour ton peuple. For your people. Voyez, you see, ce n'est pas pour nous les gentils. It's not for us the gentle. Et pour ta ville. And for your city. Pas Johannesburg. Not Johannesburg. Pas Kinshasa. Not Kinshasa. Quelle ville? Which city? Jérusalem. Jérusalem. Afin de rebâtir le temple. In order to rebuild the temple. Pas Amen Tabernacle. Not Amen Tabernacle. Le temple là de Salomon. The temple of Solomon. Et jusqu'à loin. Up until the most holy. Celui qu'on appelle le Shiloh. The one that we call the Shiloh. Lui le roi. He the anointed. Le Seigneur Jésus-Christ. He the Lord Jesus Christ. Dan Gabriel a dit à Daniel. Gabriel said to Daniel. Il y aura 69 semaines. There will be 69 weeks. Est-ce que ce sont les semaines de week? Is it the weeks of weeks that we have? Qu'est-ce signifie semaine? What is the meaning of these weeks? On va voir ça. We're going to see it. Est-ce que c'est 69 semaines de nos semaines? Is it 69 weeks of our weeks? Comme les prédicateurs pentecostistes le prêchent. Like preacher Pentecostal preachers are preaching them. Mais quand ils entrent dans les calculs. But when they come in calculation. L'ange a dit. The angel say. Depuis la reconstruction du temple. From the reconstruction of the temple. Jusqu'au Messie. Until the Messiah. 69 semaines. 69 weeks. Mais ce sont beaucoup d'années. But these are many years. Qu'est-ce signifie semaine? What is the meaning of these weeks? Et le Messie sera retranché. And the Messiah will be taken away. Il a été retranché, il est mort à la croix. He was taken away and he was killed at the si cross. Vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Maintenant, now, il y aura un prince qui viendra de loin. There shall be a prince coming from afar. Un prince dévastateur. A prince that will demolish. Il détruira encore le temple. He will demolish again the temple. Après la reconstruction, after the reconstruction, ça serait détruit encore. It will be destroyed again. Il parlait de Titus. He was speaking about Titus. Un prince romain. A Roman prince. Qui est venu détruire le temple. That came to demolish the comme temple. Comme Jésus a fait. As Jesus said. Et il y aura l'abomination. And there shall be abomination. Là où sera le temple. Where the temple will be. Les mosquées d'Omar. The mosque of Omar. Qui est construite là. Which is built vous there. Vous voyez ça? There is. C'est la prophétie. That's the prophecy. Et en ce temps-là, and at that time, Dieu se tournera vers les nations. God will turn his side toward the Gentiles. Il va mettre un stop avec les Juifs. He will put a hold toward the Jews. Il viendra vers nous. He will come to us. Pour avoir une épouse. To have a bride. Oh, si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. C'est là où ramenez-moi le tableau. Now bring back the board, the picture. Nous entrerons. We will get now into dans les âges de l'Église. In the church ages. Depuis Paul. From Paul. Jusqu'à William Branham. Up until William Branham. Est-ce que vous le croyez? Do you believe it? Et après ça, and after it, il y aura l'enlèvement. There will be the rapture. Et la venue de la pierre de fête. And the coming of the capstone. Pour détruire la statue. To demolish the statue. Et Dieu retournera aux Juifs. And God will return back to the Jews. Et après, il y aura le millénium. And there will be the millennium. Et il y aura le trône blanc. There will be the white throne. Et l'éternité. And eternity. Voilà le plan que Dieu lui donne. Now that is the plan that God gives him. Et le nom Daniel. And the name Daniel. En hébreu veut dire. In Hebrew means. Qui juge pour Dieu. Who, the one that judges for God. Son nom Daniel. His name Daniel. Signifie. Means. Qui juge pour Dieu. He may judge on God's behalf. Le livre de Daniel qu'on va étudier. Now the book of Daniel that you're about to study. C'est un livre écrit en deux langues. It's a book written in two languages. Dans l'original. In its original. De chapitre premier. From the first chapter. Au chapitre 8 à 12. To the 8th and 12. Daniel a écrit ça en hébreu. Daniel wrote it in Hebrew. Souvenez-vous, il a écrit ça quand il était en captivité. Remember, he wrote it when he was in captivity. Une partie l'a écrit ça en hébreu. A part he wrote in Hebrew. De chapitre 2, 4, 7. The chapter 2-3-4, he wrote it in Aramaic, la langue de la Babylone. The language of Babylon. Et cela est divisé and it's divided en six premiers chapitres. It's six first chapters. Les premiers six chapitres, the first six chapters sont l'historique, they are historical de l'église, of the church, des gentils, of gentiles.
That's why you see Daniel, not only just the 70 weeks of Daniel. Daniel, a vu la vision de la statue, ramène-moi. Daniel saw the vision of the statue, bring that to me. Daniel n'a pas vu seulement le calendrier des Juifs. Daniel did not see only the Jewish calendar. Dieu lui a montré aussi notre calendrier. God showed him also our calendar. Et puis le premier royaume babylonien. From the first Babylonian kingdom. Dans la statue, je vais entrer en profondeur. In the statue, I'll get deeper into it. Jusque quand la pierre de fête descend. Up until the capstone descend. Les gens attendent encore la pierre de fête. People are still waiting for the capstone. Mais nous savons. But we know. Que depuis le 28 février. That from the 28th February. La pierre que Daniel avait vue. The stone which Daniel saw. Est déjà descendue. Descended already. Le septième sceau. The seventh seal. C'est la fin de tous les systèmes. Is the end of all systems. Un autre royaume est déjà venu. Another kingdom came. Et c'est nous les citoyens de ce royaume-là. And we are the people of that kingdom. Nous allons entrer en profondeur. We'll get deep into it. C'est merveilleux, mes amis. Wonderful friend. D'écouter ces choses. To hear these things. Et vous voyez que. And you'll see that. Un prophète. A prophet. Le premier prophète des gentils. The first prophet of the Gentiles. C'est Daniel. It's Daniel. Il a exercé son ministère à Babylone. He operated his ministry there in Babylon. Et il a vu notre temps des gentils. And he saw our time of Gentiles. Et le dernier prophète des nations. And the last prophet of the Gentiles. C'est William is William Branham. Since l'ange. If the angel. Avait dit au premier prophète des nations. Said to the first prophet of the Gentiles. De sceller ces choses. To seal up these things. Jusqu'au temps de la fin. Up until the end time. Quand le dernier prophète viendra. When the last prophet will come. C'est lui seul qui le révèle. He alone will reveal it. Vous voyez, mes amis? You see, friends. Ce sont des choses prophétiques. These are prophetical things. Ça prédit. It predicts. Dans les chapitres 7 à 12. From the chapter 7 to 12. It predicts. La mort du Messie. The end of the Messiah. Dans les 70 semaines. In the 70 weeks. Et le calendrier des Juifs. And the calendar of the Jewish. Les 70 semaines now est pour les Juifs. The 70 weeks is for the Jewish. Notez bien. Not well. Les 70 semaines. The 70 weeks. Ce n'est pas pour nous. It's not for us. C'est pour les Juifs. Oh, they are for the Jewish. Qui peut dire amen? Who can say amen? Mais qu'est-ce que cela nous sert? Now, what does it serve cela us? Nous sert à regarder ça. It serves us in looking at it. Comme notre montre. Hence our clock. Pour savoir quelle heure nous sommes. To know which hour we are living in. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Mais n'oubliez pas aussi. And now, don't you forget as well. Que c'est aussi un type de nation. That it also a type for the Gentiles. Parce que tout ce que Dieu fait avec les Juifs. Because whatever God with the Jewish. Il le fait aussi avec l'Église. He will also do it with the church. Si vous le comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Et l'histoire de l'Église. And the history of the church. Notre histoire à nous de l'Église. Our history as the church. Ne commence pas dans les premières semaines. Doesn't start from the first week. Là, nous n'étions même pas l'Église. We were not yet even the church. Ni dans les deuxième semaine. Neither in the second week. Notre histoire ni dans les 79e semaine. Our history not Jésus the est venu pour les Juifs. C'est ce Jesus came for the Jewish. Mais, but, quand il meurt, when he dies, notre histoire à nous de l'Église. Our history for us the church. Est dans le 70e semaine. It's in the 70th week. Alors. Therefore, dans la première moitié de 3 ans et demi, in the first half of 3 years and a half, que Jésus a prêché, il est mort. That Jesus preached and died. Notre histoire a commencé. Our story began. Quand notre histoire finit, when our story finishes, Dieu prend notre deuxième moitié. God takes the other half. Vous avez compris, dit amen. If you understood, say amen. Ce que nous avons inséré là-bas, that what we insert there, c'est au milieu là. It's right there in the middle. L'histoire de l'Église, the church history, c'est au milieu. It's in the middle. De 70e semaine, of the 70th week of Daniel. Une partie là-bas, une partie. A part over there, a part over here. C'est là où se trouve l'histoire de l'Église. That's where the story of the church is. Nous allons voir ça en profondeur. We'll see it deeper. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Vous voyez, mes amis? You see, friends. Jusqu'au Messie qui a été ôté en 33. Up until the Messiah that was taken away in 33. Maintenant, ce sont les choses profondes de la no, Bible. These are deeper things of the Bible. Que les bébés. That the babies. Ne comprendront pas. Won't understand. Or cette Bible. While this Bible. Combien croient la Bible? How many believe in the Bible? Oh, dites un grand amen. Say big amen. La Bible. The Bible. C'est une bibliothèque. It's a bibliography. À 66. A bibliothèque of 66 books. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. From Genesis to Revelation. La Bible a 66 livres. The Bible has 66 books. C'est écrit mathématiquement. It's written mathematically. Pourquoi 66? Why 66?
Six, c'est le nombre de l'homme. Six is the number of a man. L'homme a été créé le sixième jour. A man was created the sixth day. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. La Bible parle de l'homme. Now the Bible speaks of a man. Mais deux hommes. But two men. L'homme spirituel. The spiritual man. Et l'homme charnel. And the carnal man. Ça parle de Abel. Speaks of Abel. Ça parle de Caïn. It speaks of Cain. Ça parle de Jésus. It speaks of Jesus. Ça parle de Judas. And it speaks of Judas. Ça parle des vrais enfants de Dieu que vous êtes. It speaks about the genuine children of God that you are. Ça parle aussi des enfants du diable. And it speaks about the children of the devil as well. Tous les actes, all the actions, sont là dans le livre là. Are here in this book. Tous les actes que tu poses aujourd'hui, all the actions that you're doing today, quelqu'un l'a déjà posé dans la Bible. Somebody has done it already in the Bible. Mais dites amen. Say amen. Mais il faut que tu sois du côté des actes de Dieu. But now you need to be on the side of the action of God. C'est why Dieu a mis ça en 66. That's why God put it in 66 books. Depuis Genèse, from Genesis jusqu'à Apocalypse, to Revelation. C'est 66. It's 66 books. Ça parle de l'homme. It speaks of a man. L'homme spirituel. Spiritual man. Et l'homme charnel. And the carnal man. Ça parle de l'homme créé à l'image de Dieu. It speaks of a man made by the image of God. L'âme. The soul. Ça parle aussi du corps. And it speaks about the body as well. Celui-ci, c'est un homme charnel. This is the carnal man. Le corps est toujours charnel. The body is always carnal. Qui peut dire amen? Who can say amen? Mais l'âme. But the soul. C'est l'homme spirituel. It is spiritual man. Vous voyez? You see? Et maintenant. Now. Malgré cela. Despite that. La Bible, Dieu avait scellé ça. The Bible, God sealed it up. So. Of seven seals. Dieu scelle la Bible. God sealed the Bible de sept sceaux with seven seals. C'est pour cela. That is why. La seule manière, the only way, de comprendre la Bible, to understand the Bible, comme une vérité, as a truth. Parce que Jésus a dit, because Jesus said, vous connaîtrez la vérité, ye shall know the truth, et la vérité vous affranchira, and the truth will set you free. Où trouvez la vérité? Where do you find the truth? Chaque église dit que nous sommes dans la vérité. Each church is saying that we are in the truth. Les Pentecôtistes disent que nous sommes dans la vérité. Pentecost is saying that they are in the truth. Les Bima disent que nous sommes dans la vérité. Bima Church are saying that they are in the truth. Les musulmans aussi le disent. Muslims also are claiming it. Chacun le dit. Each one is saying it. Appelons comme on nous appelle les Branhamites aussi nous disons que c'est nous. Let's call them as they call us. The Branhamites also are saying that it's them. Mais quel est le livre qui va nous juger? But which book will judge us? L'Église catholique dit que c'est eux. The Catholic Church are claiming it to be them. Dieu jugera le monde par sa parole. God will judge the world by his word. Et sa parole, c'est la Bible. And his word is the Bible. Oh, je vais entendre un amen. When I hear amen. S'il va juger dans la Bible, if he is going to judge through the Bible, la vraie église. We will know the true church. C'est une église qui est biblique. It's a church which is biblical. Qui font les choses selon la Bible. That are doing things according to the Bible. Mais criez amen. Say it, amen. Une église est biblique. A church Bible. But même si c'est la Bible, even if it's the Bible, la Bible est scellée de sept sceaux. The Bible now is sealed with seven seals. Dieu a dit certaines choses dans la Bible. God said certain things in the Bible. Il semble comme confus. That seems as if they're confusing. Il a dit en parabole. He spoke in parable. Il a dit en mystère. He spoke in mystery. Il a dit en chiffres. He put them in numbers. Il a dit en 70 semaines. He put them in 70 weeks. Il a vu en vision. He saw in visions. Comment connaître ça? How to know it? Gloire à Dieu. Glory to God. Quand il a scellé la Bible, when he sealed up the Bible, et il a promis, and he promised, dans Apocalypse 10, in Revelation 10:7, c'est pourquoi nous avons lu ça, that's what we read it, qu'au jour de la voix du septième ange, that in the days of the voice of the seventh angel, sonnerait de la trompette, when it shall sound the trumpet, le mystère, the mystery will be revealed. Amen. Amen. C'est la Bible qui le promet. It is the Bible that promises it. Et j'aimerais vous dire, and I would like to tell you, personne n'aura la correcte, no one will have the correct et la vraie, and the genuine interpretation, interpretation et compréhension, and understanding de cette Bible, of this Bible sans le septième ange, without the seventh angel. C'est Dieu qui l'a promis. It is God that promised it. Au jour de la voix du septième ange, that in the day of the voice of the seventh angel, et le septième ange, and the seventh angel, c'est le prophète de Malachi 4, is the prophet of Malachi 4. C'est lui, et lui le prophète. He is Elijah the prophet. Et aujourd'hui,
end today. Elijah has already come. C'est William Branham, le prophète. It's William Branham the prophet. Est-ce que vous le croyez? Do you believe it? Je l'ai confirmé. God confirmed him. C'est quoi les gens pensent? That's what people think. Laissez-moi descendre un peu pour les bébés. Let me go a little bit down for babies. Quand j'ai dit Frère Branham, il dit Frère Branham. When I say Frère Branham says, Frère Branham says. Ils ne comprennent pas. They don't understand. Je dis là que la Bible dit. I am saying that the Bible says. Parce que quand je lis la Bible. Because when I read the Bible. Je lis Moïse a dit. I'm reading Moses say. Dites amen. Say amen. Esaïe a dit. Isaiah said. Paul a dit. Paul said. Timothée a dit. Timothy said. C'était des hommes. They were men. Mais ils vivaient dans les parcelles. But they were living in partial. Mais Dieu avait fait la promesse. But God made a promise. Que un homme viendra au temps de la fin. That a man will come at the end time. Sa mission. His mission. C'est de révéler. Is to reveal. La Bible. The Bible. À l'ouverture des sceaux. At the opening of the seals. La Bible devient un nouveau livre. The Bible becomes a new book. À l'ouverture des sceaux. At the opening of the seals. Il y aura un peuple sur la terre. There will be a people on earth. Qui aura la correcte. That will have the correct and the perfect interpretation de la Bible. Of the Bible. Si le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Si cela est la vérité, if that's the case, que le septième ange that the seventh angel va révéler tous les mystères, will reveal the all-time mystery, est-ce que vous le croyez? Do you believe it? C'est même la doctrine. It's even the doctrine here. Et pour ceux qui me suivent, and for those that are following me, il y aura personne. There will be no one. Après le septième ange, after the seventh angel, qui peut révéler un mystère, that can reveal a mystery. Là, je m'attaque même aux croyants du message. I'm even attacking the message believers. Après le départ de Frère Branham, after the departure of Frère Branham, celui-ci vient. This one comes. Il dit, moi, je vais faire ceci. He says, I want to do, I'll do non. This. No. Le septième ange, the seventh angel, termine, finishes, tous les mystères, all the mysteries, du livre, of the book. Est-ce que vous le croyez? Do you believe it? Ni Zakola, ni de Zakola, ni Joseph, ni de Joseph, ni Baruti, ni de Baruti, ni Kayumbi, ni de Kayumbi, ni Vipidile, ni de Vipidile, ni Dioka, ni de Dioka, ni Beckett, ni de Beckett, ni un bishop, ni de bishop. Personne, no one, ne peut encore terminer le mystère. Can finish again the mystery. Si vous voulez savoir la compréhension, if you want to know the understanding, rendez-vous de Dieu, appointment with God, vers le septième ange, toward the seventh angel. Et que c'est ce qu'Amen croit. Is it what Amen believes? Si il termine le mystère, if he finishes the mystery, si 70 semaines, if 70 weeks, c'est un mystère, is a mystery. Alors, therefore. Si 70 semaines if de Daniel, 70 weeks of Daniel, c'est un mystère, it's a mystery qui était dans la Bible, that was in the Bible, le seul, the only qui peut vous le révéler, that can reveal it unto you, is the seventh angel. How many can say amen? Alors nous allons entrer dans le septième. Now we'll get into the seventh angel. Seul. Because it's him alone. Il a la mission that has got a mission de révéler to reveal les choses cachées, the hidden things. De révéler le mystère. To reveal the mystery. Oh, gloire à Dieu. Glory to God. C'est le septième ange. It's the seventh angel. Il est comme la femme de Samson. It's like the wife of Samson. Samson a fait l'énigme. Samson did his enigma. Il avait tué le lion. He killed the lion. Et après quand il passait. And afterwards he was passing by. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Il y a eu du miel. There was honey. Qui est sorti du lion. That came out of the lion. Personne ne le savait. No one knew it. Lui seul. He alone. Il est venu devant les Philistins. He came before the Philistines. Il a donné l'énigme. He gave enigma. Il dit du fort. It says from the stronger. Est sorti. Came out. Le doux. The smooth. Il dit interprète ça. It says interpret it. Ils ont cherché. They looked. They searched. Ils ont fouillé. They checked. Rien. Nothing. Oh, j'aime la parole. Oh, I love the word. Ils ont cherché rien. They checked and searched and found nothing. Mais quand la femme de Samson. But when the wife of Samson, l'a bien caressé, he held her, held him well. Je t'en supplie. He says, honey, I'm begging you. Si réellement tu m'aimes, if surely you love me. Samson dit, non, je vais pas te dire. Solomon said, I won't tell you. Il dit, mais tu m'avais dit que tu m'aimes. He says, but you said you love me. Si réellement tu m'aimes, if you surely love me. Révèle-moi le secret. Reveal me the secret. Samson n'a pas retenu son cœur. Solomon did not hold his heart. Il dit, ce que je disais. He says, what I said there. C'est qu'il y a un lion que j'avais tué. That means there was a lion that I killed. Le lion c'est un animal fort. The lion is a strong et animal. Et de lui est sorti le miel. But out of him came out honey. Observez, observez. Now observe this. Ce n'est pas Samson qui part vers les Philistins pour leur dire. It's not Samson that goes toward the Philistines to tell them. La mission de Samson. The mission of Samson. Et vous connaissez Samson. And you know Samson. On le connaît avec les sept tresses. We know him with the seven dreadlocks. Lui ne va pas dire ça aux Philistins. He doesn't go to tell the Philistines. Mais lui quand il descend. But he when he descends. Il va vers l'épouse. He goes toward the bride.
Is it right? Is it correct? Il va vers l'épouse. It goes toward the bride. Mais c'est l'épouse. And it's the bride qui va vers les Philistins. That goes toward the Philistines. Le 28 février, the 28th February, le grand Samson, the great Samson, s'est photographié. Took a, was taken a picture. Jesus Christ avec sept tresses, with seven dreadlocks. Et quand il descend, and when it descends, il ne va pas vers he doesn't go toward you. Il vient vers le septième. It goes toward the seventh angel. Il lui révèle. And reveals et to le him. Septième ange, and the seventh angel le révèle reveals à toute l'épouse. To the entire bride. Alors tous les Philistins and all the Philistines of the world qui veut comprendre la Bible, that want to understand the Bible, venez ici dans l'épouse, come here in the midst of the bride, et le quintuple ministère, and the fivefold ministry, apôtre, prophète, docteur, apostle, prophet, doctor, prêche le message qui saigne, preach the message that bleeds, va vous donner la révélation, will give you the revelation. Si cela est la vérité, if it's the truth, la Bible est devenue un nouveau livre, the Bible became a new book. Maintenant, avant d'entrer en profondeur, now, before we go deeper, aujourd'hui je fais les rappels. Today I'm just doing a reminder. Daniel et Jérémie. Daniel and Jeremiah. Quand même dit les deux livres là. What Branham says that those two books sont Apocalypse de l'Ancien Testament. They are revelations of the Old Testament. Le livre là de Daniel. The book of Daniel. Et de Jérémie. And Jeremiah. C'est Apocalypse. It's a revelation de l'Ancien Testament. Of the Old Testament. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Le diable dans les livres de la Bible. The devil, the book of the Bible, craint beaucoup. Fears much. Deux livres. Two books. Dans cette bibliothèque de 66. In this bibliothèque of 66 books. Il craint le livre de Genèse. He fears the book of Genesis. Le diable n'aime pas ça. The devil doesn't like this book. Et il craint, and he fears Apocalypse. Revelation. Pourquoi? Why? Ça parle de son origine. Genesis speaks about his origin. Comment il est venu détruire la race humaine? How he arrived to destroy the human race. Et ça parle ici de sa fin. And it speaks there about his end. Comment il sera brûlé dans le temps de feu? How will he be burned in a burning fire? C'est pour cela. That is why. Les églises qui churches sont oint du diable, that are anointed of the devil, they cannot preach these two things. Ils ne connaissent pas très bien Genèse. They don't know Genesis well. Dites amen. Say amen. Apocalypse, n'en parlons pas. Don't even speak about Revelation. Ils vont avoir des vertiges. They will have a headache. Ils vont se perdre. They will get confused. Même pendant que je prêche ici, even je vois d'autres figures sont déjà perdues. Even as I'm speaking, I'm seeing other faces already lost. Aujourd'hui, le pasteur, c'est comme l'université. Pastor, today is like university or what? C'est pour cela. That is why. Frère Branham, Brother Branham, a révélé, revealed, dans Genèse, in Genesis, la semence du serpent, the serpent seed. Croyez-vous à la semence du serpent? Do you believe the serpent seed? C'est ça l'origine de Satan. That is Satan's origin. Comment il est entré dans la race? How it got into human race? Adam n'avait pas mangé une pomme. Adam never ate any apple. Le serpent n'a pas donné une pomme à Eve. The serpent never gave an apple to Eve. Un fruit quand il mange ne peut pas te dire que tu es nu. A fruit when you eat a fruit, it cannot tell you that you are naked. Dieu avait caché ça aux sages et aux intelligents. God hid it to the wise and intelligent. Mais dans les derniers jours, but in the last days, il révèle au septième ange, he revealed to the seventh angel, que ce que Eve avait fait c'était l'adultère. That what Eve did, it was adultery. Le serpent m'a séduit. He says, she said, the serpent begot me. Le serpent ancien était comme un homme. The old serpent was like a man. Je l'ai vu, vous croyez? Abraham says, I saw him. Do you believe? Un garçon costaud. He says he was a tough man. Il mesurait 3 mètres. He was 3 meters high. Il a connu Eve. He knew Eve. C'est là où vient la grossesse de Caïn. That's where the pregnancy of Cain came. Et le soir, and the evening, Adam aussi a connu Eve. Adam also slept with Eve. Ce n'est pas Adam qui a montré à Eve le sexe. It wasn't Adam that showed Eve sex. No. Mais c'est Eve. But it's Eve qui a montré à Adam. That taught Adam. Je peux dire beaucoup de choses là-dessus. I can say a lot of things upon it. C'est la femme. It's a woman. That's why God said the man will rule over you. Dites amen. Say amen. C'est la femme. It's a woman. Un homme, quand ta femme te domine, tu n'es pas un homme. A man, when you are being ruled by a woman, you are not a man. Ça, c'est l'origine. That is the origin. Dites amen. Say amen. C'est là où la grossesse de d'Abel est venue. This is where the pregnancy of Abel came. C'est ça l'origine.
This is the origin. Ah, merci. Hey, thank you, Lord. Quand Frère Branham vient, when Brother Branham comes, il commence par l'origine. He begins with the origin. Et après, afterward, il prêche toute la Bible. Preach the entire Bible. Sa mission, and his mission, c'est de révéler Apocalypse. Is to reveal Revelation. Or Apocalypse, while Revelation de l'Ancien Testament, of the Old Testament, c'est le livre de Daniel, is the book of Daniel et de Jérémie. And Jeremiah. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Donc, voyez-vous, now you see, quand nous parlons de Daniel, when we speak about Daniel, c'est relié directement, it's connected or linked directly le livre d'Apocalypse. With the book of Revelation. Pourquoi? Why? Pourquoi c'est relié? Why is it connected? Aimez-vous les prophètes? Do you love the prophets? Lisons les prophètes. Let us read the prophet here. Pourquoi c'est relié? Why is it connected? Dans la prédication, in a sermon, les sept âges de l'église, the seven church ages, prêché en 1954, preach in 1954. Effacez-moi le tableau, mon frère. Please, brother, rub me the board. Frère Branham me dit. Frère Branham says. Paragraphe 25. Paragraph 25. Combien je souhaiterais commencer maintenant une réunion d'enseignement. How much I wish to start a teaching service. De 3 mois. Of 3 months. Comme j'ai commencé avec. Like I began with you. Qui peut dire amen? Okay, say amen. Nous prendrons 3 mois comme Frère Branham. We're gonna take 3 months like Brother Branham. Et que vous puissiez aborder le livre de l'Apocalypse. And you may bring the book of Revelation. Le rattacher avec Daniel. And connect the book of Revelation with Daniel. Le livre d'Apocalypse. The book of Revelation. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Le rattacher. To connect it. Avec Daniel. With Daniel. Cette grande vision. This great vision. Combien a-t-il resté ici de petits troupeaux? How there is a lot of remaining here of the local. Le livre de l'Apocalypse. The book of Revelation. Comment il est représenté? How it being represented? Et Daniel se rattache à cela. And Daniel is being connected to it. Esaïe se rattache, tout l'Ancien Testament se rattache à cela. Isaiah, the Old Testament. Les sept fléaux. The seven plagues. Sept églises. Seven sceaux. Seven trumpets. Seven trumpets. Représentant une guerre. Representing a war. Mystère dévoilé. A mystery revealed, the plague. C'est ce qui suit la guerre. That's what follows the role. Qui peut dire amen? Who can say amen? Il dit encore. He says again. Voyez-vous là, il dit quoi? You see what he says there? C'est rattaché. They're connected. Avec Daniel. With Daniel. Si vous le croyez, dit amen. If you believe it, say amen. Il dit encore quelque chose d'important ici. He says something important again here. Le messager de Dieu. The messenger says. La messager, c'est le signe de la fin. In the sermon, sorry, is it the time of the end? Il dit voici ce qu'est un mystère. He says, behold what a mystery is. Un mystère à l'écriture. A mystery of a scripture. Est une vérité qui avait préalablement été cachée. It is a scripture that was for before hidden. Et qui est maintenant divinement révélé. And is now divinely revealed. Mais dans laquelle reste toujours un élément spirituel. But in which is still remain in it a spiritual revelation. Vous dites amen à cela? You say amen to that? Alors rapidement le deuxième mystère. Let us go quickly in the second mystery. Madame cite le mystère. Brabant mentioned the mystery. Il dit le deuxième mystère. He says the second mystery. Et le mystère de l'aveuglement d'Israël. He is the mystery of the blindness of Israel. Pendant cet âge. In that time. Romains 11, 25. Romans 11:25. L'aveuglement d'Israël. The blinding of Israel. Depuis que Jésus était mort à la croix. Since Jesus died at the cross. Ils sont aveuglés. They are blinded. Pendant les sept âges. From all the seven ages. C'est un mystère. It is a mystery. Selon Romains. According to Romans. Paul a dit ça. Paul said it. C'est relié. It's connected. Avec 70 semaines. To 70 weeks of Daniel. If you believe it, say amen. Et le livre de Daniel, and the book of Daniel est relié is connected avec Apocalypse. With Revelation. C'est pourquoi Frère Branham dit encore. That's what Branham says again. L'Apocalypse, livre de Sembo. In Revelation, book of Sembo. Paragraph 16, il dit. Paragraph 16, le he says. Le livre de l'Apocalypse suivait. The book of Revelation follow. Est le sceau du dernier témoignage du Seigneur Jésus Christ. Is the seal of the last testimony of the Lord Jesus Christ. Nous partirons du premier chapitre. We'll go from the first chapter. Il n'y a rien de plus difficile dans la parole. There is nothing more difficult in the word. Dieu a placé ça en symbole. God placed it in symbols. Criez un amen là-dessus. Say, shout amen out to that. Dieu a un moyen de faire. God has got a means of saying. Dieu quand il fait une chose, c'est avec raison. When God does something, it's with reason. Pourquoi il a mis ça en symbole? Why did he put it on a symbol? Parce qu'il a caché ça aux sages. Because he hid it to the wise. Et aux intelligents. And intelligent. Il a voulu le révéler à son peuple. He wanted to reveal it to his people. Maintenant lui, il est le grand savant. Now him being the great wise. Il a mis ça en symbole. He put it in symbols. Savez-vous qu'Apocalypse c'est une vision? Do you know Revelation is a vision? Est-ce que vous le savez? Do you know that? Mais c'est un symbole. But it's in a symbol. Tous ces symboles signifient quelque chose. All these symbols represent or mean something.
When I hear big amen. Dans la marque de la bête. In the mark of the beast. Tous ces symboles signifient quelque chose. All these symbols mean something. Quand vous les lisez dans là-bas, il y a les yeux comme les flammes de feu. When you read there, there are flames of fire. Et l'épée sortait de sa bouche. The sword coming out of his mouth. Vous voyez? You see? Qu'est-ce que cela signifie? What does that mean? C'est ici dans l'épouse. It's here in the bride. Observez ici. Now observe here. Pendant que nous introduisons cet enseignement. As we introducing this preaching. Le livre d'Apocalypse. The book of Revelation. Est relié avec Daniel. It's connected with Daniel. Parce que Daniel c'est Apocalypse de l'Ancien Testament. Because Daniel is Revelation of the Old Testament. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Il y a rien. Dieu a mis ça en symbole. God put it in a symbol. Même 70 semaines. Even the 70 weeks. C'est un symbole. It's a symbol. C'est un mystère. It's a mystery. C'est pas semaine. It's not weeks of weeks. Apocalypse. Revelation. J'ai vu l'agneau. I saw the lamb. J'ai vu la ville. I saw the city. J'ai vu ceci. I saw this. J'ai vu une femme. I saw a woman. Tout ça là. All that. Oubliez dans votre tête aujourd'hui. Forget in from your mind today. C'est un agneau. That is a lamb. Animal. Animal lamb. Avec une ville qui descend. With a city descending. Non. No. Ce sont des symboles. These are symbols. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Et le septième ange doit le révéler. And the seventh angel need to reveal it. C'est pour ça il révèle tout. That's why he reveals it all. Il révèle l'éternité. He reveals eternity. Croyez-vous à ça? Do you believe in it? Frère Branham a révélé les choses qui étaient dans la pensée de Dieu. Frère Branham revealed the thing that was in the mind of God. Avant la fondation du monde. Before the foundation of the world. Il révèle Genèse. He reveals Genesis. Il finit tout Genèse. He finishes the entire Genesis. Il révèle tous les livres de la Bible. He revealed the entire book of the Bible. Toute la parole écrite. The entire written word. Il révèle tout l'Ancien Testament. He revealed the entire Old Testament. Il révèle tout le Nouveau Testament. He reveals the entire New Testament. Il révèle les 70 semaines de Daniel. He reveals the 70 weeks of Daniel. Il révèle la première Bible qui est le zodiac. He reveals the first Bible which are the zodiacs. Depuis la Vierge jusqu'au lion. From the Virgin up until the lion. Il révèle la deuxième Bible. He reveals the second Bible. Qui est la pyramide. Which is the pyramid. Depuis la chambre de la Vierge. From the king chamber, the queen chamber. Jusqu'à la chambre du roi. The virgin chamber up until the king chamber. Il révèle les lois. He reveals the laws. Les lois de la vie et de la nature. The laws of life and nature. Il révèle toute cette Bible écrite. He reveals the entire written Bible. Il révèle les symboles. He reveals the symbols. Il révèle tous les paraboles que Jésus avait dit. He reveals all the parables that Jesus said. Il révèle tous les signes. He reveals all the signs. Il révèle l'Apocalypse. He reveals Revelation. Il révèle tout. He reveals it all. Il révèle même le silence du septième sceau. He reveals even the silence of the seven seals. Tout ça là, all that, c'est le ministère du septième ange. It's the ministry of the seven angel. Alors qui est le septième ange? Now who is the seventh angel? C'est lui dont on a lu. It's him that we have read. La révélation de Jésus-Christ. The revelation of Jesus Christ. Que Dieu lui a donné. Which God gave him. Il a envoyé son ange. Send his angel. Pour le révéler. To reveal him. À ses serviteurs. Reveal it to his servants. Frère Branham dit. Frère Branham says. Quand Jésus vivait sur la terre. When Jesus was living on earth. Il ne connaissait pas encore. He did not know as yet. La forme. The form. Et l'apparence. And the appearance. Qu'il aura. That he will have. Au cours des âges. All along the ages. Ça c'est pas pour les bébés. This is not for babies. Il ne connaissait pas. He did not know. La venue de l'église. The coming, the future of the church. Après sa mort et sa résurrection. After his death and resurrection. Quand il est monté au ciel. When he ascended to heaven. Le Père lui révèle the ça. The Father reveals it unto c'est him. Pour cela. Then. That's il why. Il descend dans Apocalypse. He descends in Revelation. Dans l'île de Patmos. In the island of Patmos. C'est lui l'auteur. He is the author. Dans toutes les livres de la Bible. In the entire book of the Bible. Le seul livre où Jésus est lui-même l'auteur. The only book whereby Jesus he is the author himself. Pas indirectement, directement. Not indirectly, rather directly. C'est le livre de l'Apocalypse. It's the book of Revelation. Jean n'est qu'un écrivain. John is only a writer. On lui dicte ça. They were dictating that to him. How many can say amen? C'est le livre sacré. It is a sacred book. Jean n'a fait qu'écrit. John only wrote them. Il a écrit ça pendant 2 ans. He wrote it for 2 years. Depuis l'an 95 jusqu'à l'an 96. From the year 95 up until the year 96. Il est en train d'écrire les visions. He was writing the visions. Et qui le révèle ça? And who reveals it unto him? Un ange. An angel. Dites amen. Say amen. C'est le même ange là. It's that same angel.
Tellement il a révélé les choses. He revealed so many things unto him. Apocalypse 22. In Revelation 22. Jean dit que ça ce n'est que Dieu. John said this is only God. Il a voulu l'adorer. He wanted to worship him. L'ange a dit ne m'adore pas. But the angel told him don't worship me. Adore Dieu. Worship God. Mais qui est cet ange? But who is that angel? Ce n'est pas Jésus. It's not Jesus. Jésus ne peut pas refuser l'adoration. Jesus did not refuse worship. Mais qui est cet ange? But who is that angel? Cet ange ici. This angel. Ce n'est pas un ange avec les ailes. It's not an angel with wings. C'est un messager. It's a messenger. C'est lui qui révèle. The one that reveals the revelation to John. C'est William Branham. It's William Branham. Il révèle tout. He reveals it all. Il révèle tout. He reveals it all. Tellement que les révélations sont compliquées. The revelation is so complicated. Jean a voulu l'adorer. John wanted to worship him. Jean est le type de l'épouse. John is the type of the bride. Et l'ange a dit. But the angel said, ne m'adore pas. Don't worship me. Adore Dieu. Worship God. Ça vous dit quelque chose? Does it say something unto you? La vraie église du message, the true church of the message. Nous devons comprendre les choses comme un Jean. We are supposed to understand things like John. Quand vous n'êtes pas comme un Jean, when you are not like John, vous n'êtes pas encore dans le message. You are not yet in the message. Ça semblera les choses que nous croyons. It will seem like the things that we believe. Comme si on élève Branham. As if we lift up Branham. Et quelqu'un dirait il ne comprend plus. Someone will say they don't understand anymore. Il pensera qu'on veut adorer Branham. They will think as if we want to worship nous on Branham. Croyons à la divinité incarnée. We believe in the incarnated comme deity. Comme si on veut. As if we want. Mais nous on ne l'adore pas. But we do not worship him. Nous adorons we worship le Seigneur Jésus. The Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mes amis, friends, il est temps que je vous parle comme les adultes. It's time for me to speak to you like adults. Quand tu es dans ce message, when you're in this message, la compréhension est très loin. Your understanding is far. Non. No. Ça va être comme si. It has to be as if. Mais toi, tu as la révélation. But you have got a revelation. Que je n'adore pas l'homme. That I don't worship the man. Mais j'adore. But I worship. Le même Jésus. The same Jesus. Qui est venu. That came. Pas là-bas. Not there. Dans l'homme. In a man. Est-ce que vous pouvez dire amen? Can you say amen? Est-ce que Jean est ici? Is John here? Alors, allez dire aux frères de Yovel. Then go tell brothers in Yovel. On n'adore pas Branham. We don't worship Branham. Je vais entendre un grand amen. I want to hear big amen. Je vais entendre un cri. I want to hear shout. On n'adore pas Branham. We don't worship Branham. Mais qui est Branham? But who is Branham? Oh, moi j'adore Jésus. Oh, I worship Jesus. Tu l'adores. You worship him. Par quel ange qui est venu? Through which angel that came to you? La révélation de Jésus-Christ. The revelation of Jesus. Qu'il a fait connaître. He made him know. À ses serviteurs. To his servants. Le pasteur Kayumbi. The pastor Kayumbi. Fibidila. Baruti. Baruti. S'il veut comprendre. If you want to understand. Zakola. Zakola. Ses serviteurs. His servants. Gomad. Gomad. Beckett. Beckett. Comment est-ce que nous connaissons ça? How do we know this? Par l'envoi de son ange. By the sent of his man. Qui est cet ange? Who is that angel? Le prophète. The prophet. Un vrai serviteur de Dieu. A true servant of God. Répète ce que l'ange. Repeat what the angel says. C'est là qu'on connaît qu'il est le vrai. That's why we know that he's the genuine. Est-ce que vous dites amen? Do you say amen? C'est quoi je vous le répète? That's what I'm repeating unto you. Qui est cet ange là? Who is that angel? Dans Apocalypse. Revelation. Pardonnez-moi. Forgive me. Frère Branham est dans beaucoup des écritures. Frère Branham is in a lot of scriptures. Je vais les citer si vous allez les supporter. I will name them or mention them if you can bear with me. Il y a au moins 12 écritures. There is about 12 scriptures. Qui parle de son ministère. Which speaks about his ministry. Il est l'ange. He is the angel. D'Apocalypse 1. Of Revelation 1. D'Apocalypse 22. And Revelation 22. Qui révèle à Jean. That revealed to John. Que Jean a voulu l'adorer. That John wanted to worship. Mais on ne l'adore pas. But we don't worship him. If you believe it, say amen. Il est l'ange. He's the angel. D'Apocalypse. Of Revelation. 1. 3. 3. Septième étoile dans sa main. The seventh star in right in God's hand. Dieu avait sept étoiles. Jesus had seven stars. Et la septième étoile. And the seventh star. C'est William Branham. It's William Branham. Oh, come on, young people. Come on, young people. Il est l'ange. He's the angel. D'Apocalypse 3. Of Revelation 3. Le verset 4. Verse 4. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Write to the angel of Laodicea. La lettre n'est pas envoyée à toi. The letter was not sent to you. Mais au messager. But the messenger. C'est frère Branham. Brother Branham. Qui peut dire amen? Who can say amen? Ça c'est dur. This is hard. Il est la porte ouverte d'Apocalypse 4:1. He is the open door of Revelation chapter 4:1. La voix dit à Jean. The voice said to John. J'ai vu une porte ouverte. I saw an open door. Et la voix dit monte ici. And the voice said come up here. La porte n'est pas la voix. The door is not the voice. Mais la
voix sort dans la porte. But the voice come out from the door. La porte de l'enlèvement. The door of the rapture. C'est Malachi 4. It's Malachi 4. Mais la voix. But the voice. Qui parle à la porte. That speaks through the door. C'est Christ. It's Christ. Qui peut dire amen? Who can say amen? Aujourd'hui. Today. Il y a pas d'enlèvement. There are no rapture. Pour quiconque n'a pas Christ et mes. For whomever who do not believe this message. Une seule porte. One door. Qui t'appelle? That calls you. C'est la porte de Malachi. It's the voice of the door of Malachi 4. Il est l'aigle volant. He is the flying eagle. D'Apocalypse 6:7. Of Revelation 6:7. J'ai vu les quatre êtres vivants. I saw the four living creatures. L'autre avait les ailes de l'aigle. The other one had the wings of eagle. L'aigle c'est un prophète. An eagle is a prophet. Ce n'est pas un oiseau. It's not a bird. Apocalypse les symboles. Revelation is the book of symbols. Dites amen. Say amen. Il est l'aigle. He's the eagle. D'Apocalypse 8:13. Of Revelation 8:13. La Bible dit. The Bible says. J'ai vu un aigle volant. I saw a flying eagle. Qui criait. That shouted. Malheur. Woo. Malheur. Woo. Malheur. Woo. Pas deux fois. Not two times. Trois fois. Three times. Les trois guerres mondiales. The three world wars. When I'm saying, I shouted upon it. La première malheur est arrivée. The first who took place. Le deuxième est arrivé. The second took Nous place. Allons vers le troisième. We are going toward the third. Il est l'aigle. He is the eagle. Qui crie. It shouts. Elle est tombée. It is fallen. Elle est tombée. It is fallen. Babylon, le grand. Babylon the great. Il est l'ange. He is the angel. D'Apocalypse 10:7. Of Revelation 10:7. In the day de la voix du of the voice of the seventh angel, all the mysteries will be revealed. On peut aller encore. Can we go further? Il est la sagesse. He is the wisdom. Apocalypse 13. Revelation 13. 18. 18. Celui qui a la sagesse. He is the one that has got a wisdom. Calcule. Calculate. Le nombre de la bête. The number of the beast. Moi, je n'en avais pas. I never heard it. Mais quand Frère Branham est fier, but when Branham comes, il a calculé. He calculated. Vicaris Filii Dei. Il dit la bête. He said the beast. C'est Rome. It's Rome. C'est l'église catholique. It's a Catholic church. C'est quoi il prêche. That's why he preaches. Il y a ici. There is here. Plus que Salomon. A greater than Solomon. Gloire à Dieu. Glory to God. Il est l'intelligence. He is the knowledge. D'Apocalypse 13:18. Of Revelation 13:18. Moi et toi ne sommes pas intelligents. You and I do not have the knowledge. Mais Dieu a pris un primaire. But God took a primary school et student. Et l'intelligence est venue. And the knowledge came. Il est devenu le savant. He became the wise one. Il est l'ange. He is the angel. D'Apocalypse 14:6. Of Revelation 14:6. J'ai vu un autre ange. And I saw another angel. Qui avait l'évangile éternel. That had an eternal gospel. Et le monde entier était éclairé par sa gloire. And the entire world was enlightened by his glory. Dieu a donné à ses prophètes. And God gave to that prophet. Évangile éternel. An eternal gospel. Qui nous introduit à l'éternité. That introduces you to eternity. Béni soit le nom du Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Et son évangile. And his gospel. Ce n'est pas pour Jobu. It's not for Jobu. C'est pour le monde entier. It's for the whole world. Ça éclaire le Congo. It enlightens Congo. Ça éclaire l'Afrique du Sud. It enlightens South Africa. Partout. All over. Il est l'intelligence. He is the knowledge. Et la sagesse. And the wisdom. D'Apocalypse 17:9. Of Revelation 17:9. J'ai vu une femme. And I saw a woman. Prostituée. Prostitute woman. Assise sur les collines. Sitting upon the hills. Mais il y aura quelqu'un qui a l'intelligence. But there will be one that has got the knowledge. Quand il vient, when he comes. Il dit la femme là c'est l'église catholique. He says that woman is the Catholic church. Regardez, il est assis au Vatican. See, she's sitting in Vatican. Une ville construite dans les collines. A city built around the city, the c'est hills. Une prostituée. A prostitute. Et là, ses filles. And she's got his daughters. Est-ce que vous le croyez? Do you believe it? Il est l'ange. He is the angel. Avec une grande autorité. With a great authority. Apocalypse 18:1. Revelation 18:1. Toute la terre. It's the entire world. A été éclairé. The entire earth was enlightened. Par son ministère. By his ministry. Il est l'ange. He is the angel. D'Apocalypse. Of Revelation. 19. 19. 21:9. 21:9. J'ai vu un autre ange. He says, I saw another angel. Qui avait les sept coupes. That had seven, the seven cups. Sept derniers fléaux. With the seven last plagues. M'adressa la parole en disant. Telling me, saying. Viens. Come, Ethan. Je te montrerai l'épouse. I'll show to thee the bride. La femme de l'agneau. The wife of the lamb. Frère Branham, voyez-vous ce ministère? Branham says, do you see this ministry? En tant qu'Eliezer. Being Eliezer. Qui présente l'épouse. That present the bride. C'est mon ministère. It's my ministry. Tout ça est lié avec lui. All this is linked to him. Et Dieu, and God, pour que vous ne soyez pas confus, for you not to be confused, il lui a prédit, he predicted depuis l'Ancien Testament, from the Old Testament, Malachi 4,
Malachi 4. Voici. Behold. Je vous enverrai. I will send you. Élie le prophète. Elijah the prophet. Pas seulement ça. Not only that. Quand Jésus est venu. When Jesus came. Il a été transfiguré. He was transfigured. Le disciple dit que c'est en ce temps-là que tu vas rebâtir le royaume. Is the time you build rebuilding the kingdom? You will establish the kingdom. He says Elijah will come. Élie le prophète vient. He says Elijah the prophet shall surely come. Pour la restauration. For the restoration de toutes les choses. Of all things. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Et c'est lui seul. And it's him alone. Qui a le ministère. That has got the révéler ces choses. To reveal unto us these things. Maintenant. Now. Comment on va terminer? As we are going to finish. Comment il nous le révèle? How does he reveal it unto us? Apocalypse de l'Ancien Testament. Revelation of the Old Testament. C'est Daniel. It's Daniel. Maintenant pour comprendre. Now to understand. Le livre de Daniel. The book of Daniel. Je vais terminer en vous montrant d'abord le plan d'Apocalypse. I will finish off by showing you first of all the plan of Revelation. Le plan. The plan. Dans les instructions de Daniel à Gabriel. In the instruction of Daniel to Gabriel. Frère Branham dit ceci. Brother Branham says this. Paragraphe 30. Paragraph 30. Maintenant la raison de ceci, frère, par au tableau. Brother, can you go to the board? Now the reason of this. Pour gagner du temps, va terminer maintenant. The time we're about to finish. 2 heures chrono, va terminer maintenant. Now the second hour will, the first hour will, second, the first 2 hours will finish. J'ai apporté des petits messages. Now I brought little messages. Ce matin. Voilà maintenant les mois que nous avons entendu l'Apocalypse. Behold now the month that we're waiting for Revelation. La révélation de Jésus-Christ. The revelation of Jesus nous Christ. Nous avons vu les âges de l'Église. We saw the age of the church. Les trois premiers chapitres de l'Apocalypse. The three first chapters of Revelation. C'était les âges de l'Église. Écrivez numéro 1. The first three book of Revelation 1, are the church ages. Revelation chapter 1. Apocalypse 3. Revelation 1 up until 3. Jusqu'à Apocalypse 3. Up until Revelation 3. Ce sont les âges de l'Église, les sept âges. They are church ages. Dans la fin des trompettes, il dit la même chose. The piece of trumpet says the same thing. Les trois premiers, paragraphe 37. Paragraph 35. Les trois premiers chapitres du livre d'Apocalypse. The three first chapters of Revelation. Révèle tous les événements qui ont trait avec l'Église. Reveals all the events that has got to do with the church. Le chapitre 19. Chapter 19. On ne voit plus l'Église jusqu'au chapitre 19. We don't see the church again up until chapter 19. Chapitre 4. Chapter 4. L'Église est enlevée. The church is raptured. Le chapitre 19 jusqu'au chapitre 22. Now from 19 to 22. C'est uniquement pour le millénium. It's only for the millennium. Et toutes ces choses jusqu'à l'éternité. And all these things up until eternity. Si vous le croyez, dites un grand. If you believe it, say a big amen. Il faut écrire ça. Write it down. Maintenant, quand il prêche le livre de sept âges. Now when he preaches the book of the seven ages. Dans son introduction qu'il avait cité. In his introduction, he said. Il dit. He says. Il dit ceci. He says this. Le présent volume, the current volume, même s'il traite de plusieurs doctrines importantes, even though it deals with many important et tout ça là, many important et les sept ans de l'Église détaillée, and the seven church ages in detail, cette étude s'impose comme un préalable du reste de l'Apocalypse. These studies is being laid down as the foretold of the Revelation. Car des the entire âges, Revelation. Des âges. For out of ages sortent les sceaux. Comes out the seals. Dites amen. Say amen. Then so. And from the seals. Sortent les trompettes. Comes out the trumpets. The trumpet. From the trumpet. Sortent les coupes. Comes out the cups. Tel est l'éclatement initial d'un chandelier romain. Now what is exactly filled of the Romans? Peut-être vous ne comprenez pas pourquoi j'ai dit tous les bases. Now you may not understand why I'm laying down all these foundations. Peut-être soir. You may be seated, brother. Ces détails de Frère Branham. These details of Frère Branham. Je termine par là. I'm gonna close up here. A mis beaucoup de prédicateurs dans une confusion doctrinale. Put a lot of preachers in doctrine, put a lot of preachers into doctrinal challenges. L'auteur d'Apocalypse. The author of Revelation. C'est Jésus Christ. Is Jesus Christ. Et l'écrivain c'est Jean. And the writer is John. Deux sont des visions. Two of all the visions. De 95 à 96. From 95 up until 96. C'est le livre qui a 22 chapitres. It's the book that has got 22 chapters. Parce que dans l'alphabet hébreu. Because in the Hebrew alphabet.
The Hebrew alphabet has got only 22 letters. From Aleph to Tav. That's why in Revelation, God presents, Jesus introduces himself, saying that I am Aleph and Tav. In Hebrew. En grec, in Greek, je suis l'alpha et l'oméga. I'm the Alpha and the Omega. En français, in French, je suis A et Z. I am A and Z. Le commencement et la fin. The beginning and the end. C'est quoi toute la Bible, c'est dans les 22 lettres d'Apocalypse. That's why the entire book of Revelation is 22 les books. Les 22 lettres de l'alphabet hébreu. The 22 letters of the Hebrew alphabet. 66 livres là. The 66 books. C'est 22. It's 22, 22, 22, 3 times. That's why the last book has got only 22 chapters. The Hebrew alphabet. I taught you these things here. From Aleph unto Tau. Aleph is 1. Tau is 400. Tau is 400. Maintenant, now, when Frère Branham says this quickly, je pense que ça me reste 30 minutes pour que je termine. I've got 30 more minutes to finish. Je vais brosser ça si je termine. I'm just going to quickly say it out le here. Le tableau ici de la division d'Apocalypse. The picture here of the book of Revelation. Vous ne pouvez pas comprendre les 70 semaines de Daniel. You cannot understand the 70 weeks of Daniel. Sans ça. Without this. Oh. Why? Les trois premiers chapitres. The three first chapters. C'est le 7 âge. The 7 ages. Chapitre 4. It's chapter 4. La voix dit monte ici l'enlèvement. The voice that come up here is the rapture. Chapitre 4 à 18. Les Juifs. Chapter 5 to 18, the Jewish God did with them. Chapter 19, God did with the return of the Jews. And 22 upward is this all the rest. The vision of John was sealed under symbols. If you believe it, say amen. La vision était la seconde venue de Jésus Christ. The vision was the second coming of the Lord Jesus Christ. Dans son église. In his church. Sous les sept églises. Under the seven churches. Dans une seule église, in one church. Dit amen, say amen. Qui est divisé en sept églises, which is divided into seven churches. Sept parties. Seven parts. C'est pour cela, that is why. Le livre d'Apocalypse présente. The current the book of Revelation presents. La personne de Jésus Christ. The person of Jesus Christ. Se révélant lui-même. Revealing himself. Dans son corps. In his body. Le corps des croyants, the body of believers, qui est l'église, which is the church. C'est on les voit dans les septuples manifestations. We see him in seven manifestations. Sept étoiles, sept messages. Seven stars, seven messages. Walking sur les sept chandeliers d'or. On the seven candlesticks. C'est toujours lui. It's still him. Mais il révèle le corps de son église. But he's revealing the body of his church. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Jésus est né. Jesus was born. Au temps de l'Empire romain. In the time of the Roman Empire. Vous dites amen. Say amen. Quand il revient. When he returns. Selon la vision, on va voir. According to the vision we'll see. C'est aussi au temps de l'Empire romain. It's also the time of the Roman Empire. Dans la statue. But in the feet of the statue. L'Empire romain. The Roman Empire. Rome païenne. The pagan Rome. Qui deviendra la Rome papale. Which will become the Papa Rome. L'Église catholique. The Catholic Church. C'est là où lui revient. That's where he returns. C'est pour cela. That is why. Malgré ça, despise this. Cela a cinq cycles. It has got five cycles. Apocalypse 1, Apocalypse 7. Revelation 1 and 7. Christ Jesus Christ in the church. Walking on the seven candlesticks. Les sept âges, the seven les quatre êtres vivants, the four living beings. L'enlèvement de l'église. The rapture of the church. Et dans le verset 5, chapitre 5. Chapter 5. Que les gens oublient, which people forget. C'est l'intercession. It's intercession. Là, il est assis sur son trône. There he is sitting upon his throne. Avec le livre fermé. With the closed book. Tout ça, ce sont les symboles. All these are symbols. Et dans le verset après 6. In Revelation 6. Il ouvre les sceaux. He opens the seals. Les six sceaux. The six seals. Six, c'est l'ouverture des six sceaux. The six, he opens the six seals. Le verset après 7. Revelation 7. Ce sont la guerre mondiale qui s'arrête. These are the world war that stops. The first war. Qui s'est arrêté le 11 à 11h 11 minutes 11 secondes. That stops the 11 minutes 11 seconds. Pour appeler to call les Juifs, the Jewish, l'époux de la 11e et le sac à la 4e, et nous les nations, l'épouse de la 11e heure, and we, the gentle of the bride of the 11th hour, aussi les vierges folles, we also marked called foolish virgins. Cela est déjà accompli en 1917. It has been fulfilled already in 1917. Tu vois, Frère Branham avait 9 ans.
that Abraham was nine, comme Jean Baptiste pour aller à la et John the Baptist to go to the forest, et Aura Robert, and Aura Robert et Billy Graham, and Billy Graham sont nés. Were born. Pourquoi? Why? Parce que quand il va aller sceller les bouches, because when he go to seal up the bride, deux messagers, the two messengers, vont vers les vierges folles, go toward the foolish virgins. Et au même moment, at the same time, les Juifs commencent à retourner. The Jewish start to return. La même année, le général Lambi a pris Jérusalem. The same general Lambi took Jerusalem. Pour que les Juifs retournent. For the Jewish to return. Pour que Jésus scelle les 144 000. So that Jesus can sell the 144,000. Le deuxième cycle. The second cycle. C'est Apocalypse 8. It's Revelation 8. Apocalypse 11. To Revelation 11. Là, nous voyons le début, c'est le septième saut. There we see the beginning is the seventh seal. Qui peut dire un grand mot? We can say beginning. Le silence de 28 minutes. The silence of the 28 minutes. Il y a des trompettes. There are trumpets. Qui sonnent. That sound. Et tous les trompettes sont sonnées sous le sixième saut. And all the trumpets sound under the sixth seal. Maintenant, vous devez venir off ici. Now profond. You are now off because it's deeper here. Tous les trompettes sous le sixième saut. All now under the sixth. Depuis le temps de Titus. From the time of Titus. Jusqu'à Hitler. To Hitler. C'était des trompettes. They were trumpets. Pour tuer les Juifs. To kill the Jews. Les ramener dans le pays. To bring them in the land. Parce que l'église, ce sont les sauts qui nous concernent. Because the church are the seals. Et les Juifs, ce sont les trompettes. And the Jewish are the trumpets. Et le troisième cycle. And the third cycle. Apocalypse 14. Revelation chapter 10 to Revelation 14. Ça montre au début là aussi l'église comme une femme avec la couronne de 12 étoiles. It's also showing there the church as a woman with the crown of 12 stars. Le dragon veut tuer l'enfant. The dragon wants to kill the child. Et Dieu lui a donné deux ailes. But God gave her two wings. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Il est monté dans un endroit. He went upper in a place. Il s'est caché pendant 1260 jours. And he hid for 1262 days. 1260 jours. 1260 days. 3 years and a half. Du souper des noces. Of the wedding supper. Qui peut dire un grand mot? We're gonna say big amen. Quand le dragon voudra nous attaquer. When the dragon is about to attack us. By the ecumenical pressure. Nous allons quitter la terre. We'll leave the earth. Le souper des noces est 3 years. The wedding supper is 3 years and a half. En ce moment là. At that moment. Il va poursuivre la vierge folle. He will go after the foolish virgin. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Et les 144,000 and 144,000 will be sealed par Moïse et Élie. By Moses and Elijah. Qui peut dire un grand? We can say big amen. And l'autre cycle, the other cycle, le troisième cycle, the third cycle, vous voyez, see, Apocalypse 12 au 14, from Revelation 12 to 14, dans l'Apocalypse 13, in Revelation 4:13, nous voyons les deux bêtes, we see the two beasts, l'église catholique, the Catholic Church, qui sort de la mer, they're coming from the sea, et les États-Unis, and the United States, ramenez-moi la vision de la statue, put me back the vision of the statue. C'est l'église catholique, it's the Catholic Church, et les États-Unis, and the United States, qui monte. That ascends. Rome qui produit la séduction religieuse. Rome that produce the religion seduction. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Et Hollywood. And Hollywood. Qui produit la séduction. That produce the seduction. Mondaine. Worldly seduction. Couper les cheveux. Cutting off her hair. Porter les mini-jupes. Putting on mini-skirts. Toutes ces choses-là que vous aimez. All those things that you like. C'est rassembler aux acteurs. Gathering around the actors. Ça vient de là. Coming from Hollywood. Ce pays-là, c'est les États-Unis. That country qui a commencé United States, en 1776. Which began il parlait in comme 1977. Un agneau. C'était un pays protestant. Like it was, he spoke like a lamb. It was a Protestant country. Il a commencé avec 13 étapes. He began with 13 states. Ils ont un drapeau à 13 étoiles. They've got a star tout 13, 13, everything 13, is 13. C'est le pays de la femme. It's the country of a woman. Qui peut dire un grand amen? Mais quand lui sera là, but when he will be there, c'est en ce moment-là, it's in that moment, que l'ange puissant descend, that the mighty angel descends, il met les pieds sur la terre, he put a feet on the earth, ainsi la main, and one on ce the sea. Ce n'est pas qu'un jour Jésus va descendre, it's not that one day Jesus will descend, il y a un pied à l'océan, and put a feet on the non. ocean. No. Apocalypse, ce sont les symboles. The book of Revelation are symbols. Mettre les pieds, but Adam says putting the feet, c'est prendre possession. It took possession. Il les écrase. It smashes them. Avec un livre ouvert. With an open book. Et il appelle tous les élus. And he calls all the elect. La preuve que tu es appelé. The proof that you are called. Tu es au-dessus de la mondanité. You are above worldliness. Je vais entendre un amen. On a hear amen. Sir, tu viens ici, tu es toujours charnel. Sister, you come here, you're always carnal. Non, ton nom n'a pas été appelé. No, your name wasn't called. Il écrase. It smashes. On va voir ça en profondeur. We're going to see that also deeper. Et dans Apocalypse 14, and in Revelation 14, nous voyons l'agneau et la victoire. We see the lamb and the victory. Dans la montagne de Sion. On the Zion mountain. Avec le racheté. With the redeemed.
Le quatrième cycle, and the fourth cycle, Apocalypse 15 à 19, and Revelation 10 to 14, là après que nous 15 sommes, to 19, nous sommes victorieux, nous sommes partis. After you're victorious and Dieu left, déverse les fléaux. God pours out the plagues de la tribulation. Of tribulation. Les fléaux sont déversés. The plagues have fallen. L'Armageddon est là. Armageddon is there. La guerre qui introduira le millénium. The war that will introduce the millennium. C'est pourquoi. That is why. Dans Apocalypse 19. In Revelation 19. Là, réveillez-vous. Now wake up here. Il revient avec son épouse. He returns with his bride. Avec des chevaux. With horses. Et il a le vêtement blanc teint de son sang. And he has got white garment with his blood. Et un nom est écrit dans sa cuisse. And there is a name written in his thigh. Tout ça, ce sont les symboles. All these are symbols. Ah, Daniel, je t'ai beaucoup aimé. Daniel, I liked you so much. Parce que tous les autres sont maintenant perdus. Because everyone now is lost. Cela ne veut pas dire. That doesn't mean. Un Jésus va descendre avec le cheval. That a Jesus will descend with an horse and riding on it. Et il y a un cuisse. And there is a tie. Non, non, non. No. Ce sont des symboles. These are symbols. Les chevaux. The horses. C'est sa puissance. It is power. Et remarquez, I noticed, son vêtement, his garment, c'est l'habit qui se revêt, is the garment that is poured, is worn. Transformé. Abraham says it means he's transformed. Il porte l'habit appelé épouse. He puts on the garment called bride. Et si sa cuisse, and his thigh, dans la cuisse, Abraham dit c'est là où il y a les semences de l'homme. He says in a thigh that where you find is a man's seed. C'est pourquoi la loi juive, that's why the Jew law. Il disait, jure-moi, mets la main dans ma cuisse. That's why they say swear and put the hand on my thigh. Jacob a demandé ça à Joseph. Jacob asked it to Joseph. Jure-moi. Swear to me. Mets la main dans ma cuisse. Swear by me. Que tu ne m'intéresses. Your hand on parce my thigh. Dans la so cuisse, that because on the thigh. C'est le prolongement de là où il y a les semences de l'homme. That is where the man's seed are coming out from. Oh. Why? L'homme c'est Jésus-Christ. The man is Jesus Christ. Qui peut dire amen? Who can say amen? Sa semence c'est la parole. His seed is the word. Tu vois frère Branham prêche? That's what Frère Branham preaches. La parole parlée. The spoken word. Et la semence. Is the original. Original seed. Teint de son sang. Now, stained with his blood. Son habit est teint de son sang. His garment was painted or it's painted with his blood. Un habit de Jésus avec le sang. It's not a garment or a cloth of Jesus with blood. Son sang, c'est le message de chaque heure. His blood is the message of each hour. L'agneau a sept cornes. The lamb with seven horns. Il vient ici dans la semence mâle. He comes here in the seed male. C'est-à-dire que l'époux, meaning the groom, prend l'apparence extérieure de l'épouse. Takes the external appearance of the bride. Et en elle, il y a la semence. And in her there is a seed. Qui peut dire amen? Who can say amen? Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Qu'est-ce que cela veut dire? What does it mean? De la nuée. From the cloud. C'est lui. It's him. Est-ce que c'est Branham? Is it Branham? Est-ce que c'est Branham? Is it Branham? C'est Jésus là. It's Jesus up there. Mais il est revêtu des anges. But he is covered by angels. Les sept anges représentent les sept ans de l'église. The seven age represents the seven church ages. Et il vient avec les semences. And he comes with the seeds. Et il s'incarne. And he incarnates himself. Quand il s'incarne, when he incarnates himself, la semence est dans l'épouse. The seed is in the bride. Mais or la femme n'a pas de semence. While the woman does not have a seed. Vous dites amen. You say amen. Mais d'où vient la semence? But where is the seed coming l'époux from? L'époux a changé de forme. Now the bride changed the form. Et il parle le bain sort de the sa bouche. Groom changed the form and then this word comes out of his mouth when he speaks. C'est que je prêche maintenant. What I'm preaching now. C'est le bain qui sort. Is the sword coming out. Pour tuer le diable. To kill the devil. Qui peut dire un grand amen? What can say big amen? Avec puissance. With power. Vous voyez? You see? Et le cinquième cycle. And the seventh cycle. Apocalypse 22. The fifth cycle, Revelation 22. Apocalypse 20, pardon. I meant 20. Jusqu'à 22. To 22. C'est la fin. Is the end. Là. There. Il parle. He speaks. Du millennium. Of the millennium. De l'éternité. Eternity. Là où nous irons. Where we will go. Parce que. Because. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Le sept âge. The seventh age. C'est le temps. It's time. C'est le combat. Is the battle. Oh, vainqueur.
to the overcomer. Je donnerai ceci. I'll look at this. Ici, partout, ici. All over here. On dit au vainqueur de fait. They said to the overcomer ceci. The overcomer de cela. The overcomer of this. Parce que nous combattons. Because we battling. We fighting. We in the battle. If you believe it's an aim. Quand les âges terminent, when the ages elapses, il y a la brèche, there is a breach entre les sept âges, between the seven age et les sept sceaux, and the seven seals. Parce que les sept sceaux, because the seven seals n'est pas le temps, is not time. C'est l'éternité. It's eternity. Entre les deux, between the two, il y a la brèche, there is a breach. L'ange puissant descend. The mighty angel descends. Il s'incarne. And incarnates. Celui qui devient la brèche, the one that becomes the breach, c'est William Branham. It's William Branham. Pour vous prendre des âges, to take you from the ages, pour vous amener, to bring you à l'éternité, to eternity. Et dans la brèche, and in a breach, permettez-moi de vous le dire, allow me to tell you, là, there, comme Jean-Baptiste rencontrait Jésus, as John the Baptist met Jesus, dans la brèche, in the breach, de l'Ancien Testament, of the Old Testament, et du Nouveau Testament, and the New Testament, ici, here, c'est la brèche, is the breach. Quelqu'un qui ne croit pas que le Seigneur est venu, someone who does not believe that the Lord has come, il n'a pas compris, did not understand. Frère Branham s'est tenu dans la brèche, Frère Branham stood in the breach, comme Jean-Baptiste, like John the Baptist, avait terminé l'Ancien Testament, finished the Old Testament, pour introduire le Nouveau Testament, to introduce the New Testament. Frère Branham termine le Nouveau Testament, Frère Branham finished the Old Testament, pour introduire, to introduce l'ange puissant, the mighty angel, l'éternité, eternity, Christ, Christ. Le grand Melchizedek. The great Melchizedek. Il est le précurseur. He's the forerunner. Deux messagers se rencontrent. Two messenger meeting. Et c'est lui qui est là. And it's him who's there. Ça c'est pour les adultes qui vont me suivre. This is not for adults following you. En ce moment-là, at that moment, le ministère de Frère Branham. The ministry of Frère Branham. Dans la brèche. In the breach. Celle allume. It's enlightened. Allume trois choses. Light up three things. Ça allume le pouce, it lights up the bride, pour l'enlèvement, for the rapture. Il allume Oral Robert et Billy Graham, it lights Oral Robert and Billy Graham. C'est pourquoi ils ont été allumés par Branham. That's why they were lit by Brother Branham. Pour aller sceller les vierges folles, to go and seal up the foolish virgin. Et il allume aussi Élie et Moïse, and enlightens as well Elijah and Moses. Qui prêcheront les 144. That will preach the 144,000. C'est le ministère de Branham qui les allume. It is William Branham's ministry that lights them up. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Vous voyez? You see? Maintenant, quand beaucoup de gens lisent ça, now when a lot of people read this, ils oublient une chose. They forget one thing. J'ai entendu un prédicateur qui dit, I heard a preacher saying, on va corriger ça. We're gonna correct it. Comme Frère Branham a fini de prêcher Apocalypse 3, as Frère Branham finished to preach Revelation chapter 3, nous sommes à Apocalypse 10. With Revelation 10, l'enlèvement a déjà eu lieu, meaning the rapture has taken place, non, tu as mal compris. That means you misunderstood. Branham donne le plan. Branham gives the plan. Parce que n'oubliez pas, because don't you forget, que Apocalypse 10, that Revelation 10, c'est ce qui donne la foi de l'enlèvement, is the thing that gives the rapturing la faith. Foi pour monter dans Apocalypse 4, the faith to go to Revelation chapter 4, Dieu met ça dans Apocalypse 10. God puts it now in Revelation chapter 10. Qui peut dire amen? Who can say amen? N'oubliez pas, don't you forget again, qu'Apocalypse 13 est là. That Revelation 13 is there. Frère Branham doit être en Amérique. Frère Branham must be in America. N'oubliez pas qu'Apocalypse 13, don't you forget that Revelation 13, la bête, Jésus les écrase. Jesus smashes them. Et Apocalypse 15, les coupes, les fléaux tombent. And Revelation 13, the flag and all comes down. Et Apocalypse 16, c'est l'Armageddon, le rassemblement dans le quatrième sceau. And Revelation 5 is the Armageddon and all. Parce que les six sceaux, because the sixth seal, c'est la souffrance de l'homme, is the man suffering. Mais le septième sceau, but the seventh seal, c'est l'éternité, le sceau éternel. It's eternity, the eternal seal. Le sceau éternel. Eternal seal. C'est pourquoi pour terminer, that's what to finish off. Ici vous devez saisir ça. Here you have to catch this. Quand on arrive à ça comme ça, when we reach into dans this, cette division, in this division, n'oubliez pas que pendant que je le divise, don't you forget, as I'm busy giving it, Apocalypse 5, Revelation chapter 5, est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Intervient aussi, intervene as well, au temps d'Apocalypse 1 à 3, in the time of Revelation chapter 3, ici où Jésus 1 to 3, intercède. This is where Jesus intercedes. If you understand, it's au cours de sept âges, along the seven l'événement ages, de ça est là. The event of it is over there. Quand il ouvre les six sceaux, now when he opened the sixth seal, les quatre sceaux, the first seal, concerne l'église, concerns the church. Amenez-moi le tableau là. Bring me back the picture. Les quatre the board. Sceaux rapidement, je termine. Quickly, I'm about to finish. Ça concerne l'église. Concerns the church. Or, les quatre sceaux, while the fourth seal, le lion, le lion, l'homme, the ox, the man, and the eagle, nous trouvons ça dans Apocalypse 5. We find them in Revelation chapter 5. N'oubliez pas. Now,
Don't you forget. La foi qui va nous enlever, the faith that will rapture us. Apocalypse 4, in Revelation 4. Nous trouvons ça. We find it or receive it. Vous êtes avec moi? Are you with me? Dans Apocalypse 10. We find it in Revelation chapter 10. Les sept tonnerres rassemblent l'épouse. The seven thunders gathers the bride. Et lui donne la foi de l'enlever. And gives him the rapturing faith. Qui peut dire amen? Who can say on amen? Ne peut pas être enlevé. We cannot be raptured avant la foi. Before the faith. Apocalypse 10, Revelation 10 intervient encore ici. Intervenes again. N'oubliez pas, don't you forget. Quand il intervient ici, when he intervenes, il écrase Apocalypse 13. It matches Revelation chapter 13. Les deux bêtes. The two beasts. Say big amen to n'oubliez it. Pas, don't you forget again. Que nous soyons enlevés, before we are raptured. Frère Branham déverse les coupes. But Abraham now pours out the flood. Et le jugement. The plagues and the judgment. We can say amen. N'oubliez pas que don't you forget tout also ça, c'est l'introduction du millénium. All this is the introduction of the millennium. Qu'est-ce que je dis? What am I saying? Quand vous lisez le plan, when you read the plan, vous devez connecter ça, you must connect it avec d'autres choses, with other things. Si vous avez compris, dites amen. If you understood, say amen. Maintenant, c'est pourquoi, now that is why, pour terminer, to finish, Branham a dit là-bas, Branham said here now, des sages sortent le sceau. From the ages, the seals come out. Si vous le croyez, dites, if you believe it, say amen. The sceau from the seals comes out a trumpet. Maintenant, observez. Now observe. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. I'll stop here for today. C'était le rappel. It was only a reminder. Dieu au ciel a eu sept âges. God in heaven had seven ages. Par les sept archanges. By the seven archangels. Quand il précipite Lucifer, when he put down Lucifer, or rushes him down, Genèse a aussi sept âges. Genesis also has seven ages. Depuis Adam, from Adam jusqu'à Enoch, to Enoch. L'enlèvement de Enoch, the rapturing of c'est Enoch, le septième âge. At the seventh age. A dit Frère Branham. Said Brother Branham. Abraham, Dieu l'appelle. Abraham, God calls him. Il lui donne aussi sept âges. He gives him also seven ages. Depuis Genèse 12, from Genesis 12 jusqu'à 18, to 18. Du premier âge, from the first age, au septième, to the seventh. Dieu visite comme étant Shaddai. God visits pardon, El Shaddai. Elohim, as Elohim. Il change son corps. He changes his body. Ce qu'il fera au milieu de nous. What he will do in our midst. Qui peut dire amen? Okay, say amen. Le fils de l'homme. The son of man. Et après. Afterward. Israël. Israel. A eu sept âges. Has seven ages. Depuis Moïse. From Moses. Jusqu'à Jean-Baptiste. Up until John the Baptist. Sept âges. Seven ages. Jésus vient. Jesus comes. Il meurt à la croix. He dies at the cross. Il nous donne aussi. He gives us again. De Jésus. From Jesus. Sort sept comes étoiles. Out seven stars. If you believe it, say amen. Paul, Irene, Colomba, Martin, Luther, Wesley Branham. From them sort cette église. Comes out seven churches. C'est que nous sommes. What we are. Oh, dites amen. Say amen. De cette église, from seven churches sort sept sceaux. Comes out seven seals. La révélation de l'église. The revelation of the church. De sept sceaux, from the seven seals sort sept tonnerres. Comes out seven thunders. La voix de sept tonnerres. The voice of the la seven thunders. The faith of God. De sept tonnerres, from the seven thunders sort sept trompettes. Comes out seven trumpets. Pour le juif. For the Jews. Sur le sixième sceau. Out of the six seals. Lesquels? Walls. Vous voyez? You see? De sept trompettes. From the seven trumpets. Sort sept coupes. Comes out seven cups. Les sept coupes. The seven cups. Sort sept fléaux. Comes out seven plagues. Vous voyez? You see? Ça fait sept fois sept. It makes it seven times seven. Qui fait 49. Which is 49. C'est pourquoi Apocalypse 10. That's Revelation 10. C'est le jubilé de 50. It's the jubilee of 50. C'est la grande trompette. It's the great trumpet. Qui peut dire amen? Who can say amen? Maintenant, une chose difficile à croire. Now, a difficult thing to believe. Pour terminer ici. Finish here. Observe. Observe now. Dans le calendrier ici. In this calendar. Frère Eddie, prépare-toi pour amener les gens à la prière. But Eddie, are you ready to bring people to prayer? Depuis Genèse. From Genesis. Dans les sept anges de Genèse. In the seven ages of Genesis. D'Abraham. Abraham. Israël. Israel. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? J'ai encore 5 minutes. I still have got 5 minutes. L'agneau. The lamb. Était. Was. Un animal. An animal. Dites amen. Say amen. Sous le sang des boucs et des taureaux. Under the blood of goats and rams. Le nom de prière. The name of prayers. Était le nom Jéhovah. Was the name Jehovah of Jehovah. Jéhovah ceci, Jéhovah cela, Jéhovah this, Jéhovah this, Jéhovah that. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Quand Jésus vient. When Jesus comes. L'agneau animal. The animal lamb. Change. Changes. Il devient l'agneau un homme.
It becomes now a lamb man. That's how he could forgive sins. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Un homme. A man. Agneau, un homme. Lamb man. Il n'avait pas les cornes. He did not have horns. Mais dans Apocalypse 5, but in Revelation 5, nous voyons l'agneau, we see the lamb, mais avec sept cornes. But with seven horns. Toujours Jésus. Still Jesus. Mais dans la forme de ses messagers. But in the form of his messengers. C'est eux qui pardonnent le péché. They forgive sins. Le sang. The blood. Devient le message de ton jour. Become the message of your day. Je vais entendre un amen. On a hear amen. Toute personne qui n'est pas sous le sang. Anyone who's not under the blood. Pas pardonné. You're not forgiven. Or, qu'est-ce que le sang? Well, what is the blood? C'est plus un sang chimique. It's not a chemical blood. Mais c'est le message de ton jour. But it's the message of your day. Voilà la chose qui fait que the whole thing that makes dans le monde entier, that in the entire world, devant Dieu, before God, les gens qui leurs péchés sont pardonnés, people that their sins are forgiven, c'est seulement les croyants des messages. It's only the message believers. C'est biblique. It's from the Bible. Dites amen. Say amen. Maintenant, now, quand il prend le livre, when he takes the book, are you with me? L'agneau n'est plus un agneau. The lamb is no longer a lamb. Il devient le lion. It becomes now the lion. Et la rédemption est terminée. And redemption répondez is over. Redemption est the redemption is a finish. Tout le monde crie. Everyone say finish. Il a dit quoi? Terre. The Bible says, do this. All of you, do this. Finish. Terminé, non? Finish. It's finished, right? Il n'est plus un agneau. It's no longer a lamb. Il est le lion de la tribu. It's now the lion of the tribe of Judah. Cela ne veut pas dire que Jésus devient le lion. It does not mean that Jesus becomes the lion. Quand on dit agneau, when we say lamb, c'est Jésus dans sa forme humble. It's Jesus in his humble form. Pour mourir. To die. Quand il devient le lion, when he becomes the lion, il devient roi. He becomes king. Il devient juge. He becomes a judge. Dites amen. Say amen. Maintenant. Now. Une déclaration forte. A strong statement. Quand la rédemption est terminée, when redemption is over, l'alliance du sang de Jésus est terminée. The covenant of the blood of Jesus also is finished. Prier au nom de Jésus est terminé. Praying in the name of Jesus is finished. Je le répète. I'll repeat it. Prier au nom de Jésus. Praying in the name of Jesus est terminé aussi. It's finished as well. Ça c'est pour les aigles qui vont m'écouter en Bushimai. This is for the eagles that will listen to me in Bushimai. Je lis ça. I'm gonna read this. Le signe. The sign, the token. Le sang de Jésus n'est pas une alliance éternelle, non. The blood of Jesus is not an eternal covenant. Dans Hébreux 13 10. In Hebrews 13 10. Je n'ai pas le temps de le lire. J'avais l'intention de lire ça. If you got time to read. La Bible dit que l'alliance est éternelle en français. The Bible said eternal covenant in the French translation. Mais la vraie traduction, but the true translation, ce n'est pas l'alliance éternelle. Corrigez ça même dans vos Bibles. Correct it in your Bible. It's not an eternal covenant. C'est l'alliance perpétuelle. Oh, it's a perpetual covenant. Le sang de Jésus-Christ n'est pas une alliance éternelle. The blood of Jesus is not an eternal covenant. Mais c'est une alliance perpétuelle. But it's a perpetual covenant. Une alliance perpétuelle veut dire a perpetual covenant means une alliance pour un certain temps. It's a covenant of a certain time. Cette alliance là est là jusque quand il n'y aura plus de temps. Amen. That covenant is there up until when there won't be a time. Quand cela arrive là, when that time arrives, say, alliance là est terminée. That covenant is over. Je vais entendre un amen. I want to hear amen. Yes, sir. Glory. Dans l'Ancien Testament, in the Old Testament, le sang des bouquets de Torah, the blood of goat and rain, c'était une alliance. It was the covenant. Quand Jésus est venu, when Jesus came, il a aboli ça. He abolished it. Dites amen. Say amen. Nous sommes entrés, we got into la nouvelle alliance, and a new covenant. Le sang de Dieu lui-même, the blood of God himself. Mais le sang de Jésus, but the blood of Jesus, n'est pas une alliance éternelle. Is not an eternal covenant.
C'était une alliance. It was a covenant. Perpétuel. Perpetual. Pendant 2000 ans. For 2000 years. C'était le sang. It was the blood. Qui nous rachète. That redeems us. Quand nous sommes rachetés. Once we are redeemed. Qu'est-ce qui signifie racheter? What is redeeming? L'homme est retourné. Man is returned. Dans ce qu'il avait perdu. In what it lost. Là, l'ange puissant est descendu. There the mighty angel descended. And swore. Il a pris de temps. That they've been done no longer. Ce moment-là, but Abraham says that time. L'alliance là est finie. That covenant is over. En réalité, in reality, depuis le 28 février, from the 28th February, l'alliance est terminée. The covenant is finished. Il devient le lion. He becomes a lion. Il ne traite plus avec nos corps. It doesn't deal with our bodies anymore. Il traite avec les théophanies. It deals with theophanies. Tout le monde devient parfait. Everyone becomes perfect. Dieu, God, ne te regarde pas. Doesn't look at you now. Des années que tu vis. The years that you're living, ce que tu fais, what you're doing, ou ce que tu fais, and what you will do. No. Après le saut, after the seal, quand il est le lion, when is the lion, il réclame son épouse. He claims his bride. Il regarde son épouse. He claims his bride. Par les théophanies. By theophanies. Pour Dieu, for God, il suffit. It means it's only that que ta théophanie soit là. Your theophany needs to be there. Pour lui, for him, c'est terminé. It's finished. Tu es comme le voleur à la croix. You are like a thief at the cross. Il n'est pas allé à l'église. He didn't go to church. Say amen. Mais il a reconnu. But he recognized. Comme sa théophanie était là. As his theophany was there. Il était parfait. He was perfect. Maintenant. Now. Quand l'alliance du sang est terminée. When the covenant of the blood is over. Ne me comprenez pas mal. Don't you misunderstand toutes me. Toutes les prières. All prayers. Dans la rédemption. In redemption. C'est fait dans le nom de Jésus-Christ. It's done in the name of Jesus Christ. Qui peut dire un grand mot? Who can say amen? Quand la rédemption termine, when redemption finishes, what Abraham says, Dieu God donne à l'homme gives man ce que Adam avait perdu. What Adam lost. Dans le jardin de Eden, in the Garden of Eden, Adam ne priait pas. Adam wasn't praying. Oh, nom de Jésus. In the name of no. He wasn't praying in the name of Jesus. Oh, not in Jehovah. Oh, in the name of Jehovah. No. No. Adam ne priait pas. Adam wasn't praying. Qu'est-ce que Adam faisait? What was Adam doing? Il marchait. He was walking. Il prononçait he pronounced la parole. The words. Quand il marche, and when he walks, il marche, he walks. Il trouve un arbre. He found a tree. C'est pas au prier. No, he wasn't praying. Il dit arbre. He said, tree, move. La and it moves. Est-ce qu'il priait? Was he praying? Il priait. Was he praying? Il avait un nom pour prier. Was there a name to pray? Il avait un sang. Was there blood? Maintenant. Le sang de Jésus, no, the blood of Jesus, et le nom de Jésus, and the name of Jesus, nous a servi, served us, à prier, to pray, parce que nous ne sommes pas encore rachetés, because we're not yet redeemed. Quand je dis racheter, when I say redeem, je ne parle pas du prix. I'm not speaking about the price. Que tu n'es pas encore retourné that you comme did Adam. Not go back as before. Quand tu retournes comme Adam, when you return like Adam, Jésus lui-même a promis. Jesus himself promised. Marc 11. Mark 11. Si tu dis, when you say, il a dit si tu pries. Did he say when you pray? Il a dit si tu. He said when you say, à cette to this mountain, ôte-toi de come out of here. Et si tu ne and if you believe, don't doubt, cœur, in your heart, ça va arriver. It will have to pass. Amen. Amen. Qu'il avait dit ça, from the time he said it, Paul n'a pas fait ça. Paul did not do it. Quand la rédemption termine, when redemption finishes, j'ai une information I've got a flash news for you now. En réalité, in reality, depuis le 28 février, from the 28th February, nous continuons, we continue à prier au nom de to Jésus, pray in the name of Jesus, parce que because nous n'avons pas encore compris. We haven't understood yet. Ça, c'est la première raison. This is the first reason. Et la deuxième, and the second, parce que because Dieu ne termine pas les âges, God doesn't finish the ages. No. Suddenly, no. Cet âge, this age, entre dans celui-là, get into this one. Celui-là, this one, vient dans celui-ci. God comes to this one. Jésus, Jesus, quand il est venu, when he came, vous êtes d'accord? Are you agreeing with il me? Il a terminé. He finishes l'ancienne alliance. In that one, in this covenant. C'est la vérité. Is it the truth? Mais néanmoins, but nevertheless, il n'a pas terminé ça tout. He did not start with suddenly. Lui-même, himself, part au sabbat. Goes for the Sabbath. Mais il savait que, but he knew that, le sabbat est terminé. The Sabbath is over. Il a dit le fils de l'homme, but he said the son of man, est le maître he is the master of the Sabbath.
Qui peut dire amen? Who can say amen? Lui-même, himself, part au temple, goes to the temple. Mais il savait, but he knew, le temple est fini, that the temple is over. C'est lui-même le temple. Himself is the temple. Lui-même, himself, il prie Dieu, he prays God. Mais il savait, but he knew, que Dieu, that God, c'est lui-même, is himself. Qui peut dire amen? Who can say amen? Mais il faisait le chevauchement. But now he was doing the writing. Depuis le 28 février, from the 28th of February, en réalité, in reality, on ne peut pas prier au nom de we Jésus. Cannot pray in the name of Jesus. Cela nous a servi. That served us. Quand nous étions pas rachetés. When we're not yet redeemed. Quand l'agneau prend le livre. When the lamb takes the book. Il n'est plus un agneau. He's no longer a lamb. Il est le lion. He's the lion. L'épouse est rachetée. The bride is redeemed. Quelle est la preuve? What's the proof? Adam était tombé seul. Adam fell alone. C'est la vérité. Is it the truth? Nous étions tombés avec lui. We fell down with Adam. Qui peut dire amen? Who can say amen? Jésus est mort seul. Jesus died alone. Mais le prix, but the price, a été payé pour nous tous. Was paid for all of us. Quand il vient restaurer, when he comes to restore, il vient, c'est une seule personne. He comes with one person. Il vient, he comes, il prend le livre, he takes the book, il donne à Branham. He gives to Branham. C'est la vérité. Is it the truth? Branham, il ne priait plus. He wasn't praying anymore. C'est pourquoi Dieu lui a dit. That's what God told him. Il voulait prier, he wanted to pray. Prononce. He said, pronounce the word. Que les écureuils soient. Let there be scrolls. Il y a eu les écureuils. And there were scrolls. Dites amen. Say amen. Petit poisson. Little fish. I. Je. I. Come on, je. Come on, I. Pas Jésus. Not Jesus. No. Je. I. Te donne. Give you. La vie. Life. Christ. Skistuma. Quitte. Come out. Tempête. Storm. Arrête-toi. Stop. C'était quoi? What was that? La rédemption est terminée. It was the end of redemption. L'épouse est déjà. The bride is already redeemed. Amen. Amen. Aujourd'hui. And today. Jésus. Jesus. Ne te pardonne plus. Won't forgive you anymore. Tu es justifié. You are justified. Il te voit pas selon ton corps. He doesn't see you according to your body. Il te voit selon ta théophanie. He sees you according to your theophany. Parce que tu es déjà because racheté. You're already redeemed. Mais but comme ça ne change pas du tout, it doesn't change. Continue encore à prier. Let's keep on praying. Mais vous devez savoir. But we have to know que en réalité, that in reality, dans certaines situations, in some situation, quand tu marches, when you walk, comme Branham, like Branham, il voulait aller prêcher. He wanted to go to preach. Je ne parle pas quand tu marches pour tes affaires. I'm not talking about when you go about your business. Quand tu pars pour les affaires du when père, you go for the business of the father, Branham devait aller prier pour Branham lui. Had to go and pray for somebody. Il saute là. He jumps. Un one. Un taureau. And there was a killing bird. Qui a tué beaucoup a de killing bull that came to kill him. He wanted to kill him. Tu vois un homme? Then you see a man. Où est mon revolver? He looks for his gun. Adam ne cherchait pas les revolvers. Adam wasn't looking for any guns. Il n'a rien. He has got nothing. Si tu commences à prier, when you start praying, il te tue de he's going to eat you already. Dieu lui a dit, pourquoi tu pries? God told him, why are you praying? Il dit, taureau. He says, you, bird, fais là-bas. Get out of that time. Le taureau a obéi. And the cow obeyed. Qui peut dire amen? Who can say amen? En réalité, in reality, depuis le 28 février, from the 28th February, l'alliance du sang de Jésus, the covenant of the blood of Jesus is over. C'est une autre alliance. It's another covenant. Le lion, the lion réclame. Claims. Toi, tu ne dois plus prier. You cannot pray anymore. Tu dois plutôt prier. You should rather speak the words. Tu as un problème. You have got a problem. Ne venez pas chez moi. Don't come to me. Tout ce qui peut résoudre tes problèmes. All that can solve your problem. Est en toi. It's in you. Mets-toi debout. All you have got to stand up. Prononce la parole. And pronounce the word. Que je veux le travail. That I want a job. Dites amen. Say amen. Je veux un enfant. I want a job. Je veux la paix. I want peace. Et quand tu ne doutes pas, and when you don't doubt, c'est là arrivé. That's when it comes to pass.